Bonjour à tous, bienvenue dans Vive l'Europe. Aujourd'hui je suis avec Ludovic. Ludovic, bonjour. Bonjour Daniel. Merci d'avoir accepté mon invitation. Un grand plaisir, merci. Alors je vais te présenter un peu à mon public, ou bien je ne sais pas si tu veux le faire toi. Comment veux-tu te... Vas-y, c'est très bien, je ne suis jamais trop con. Alors Ludovic m'a contacté pour se présenter en fait en tant qu'écrivain. Il a écrit un certain nombre de choses. Alors ta particularité, c'est que tu n'as pas un format, tu en as plusieurs. Tu es dramaturge, mais tu as également écrit des romans, tu as écrit aussi des nouvelles. Oui. Donc c'est vrai que tu te diversifies un petit peu. Des pièces de théâtre, un essai. Oui, voilà. J'aime bien de la poésie. J'aime écrire de la. J'aime faire de la littérature, comme il s'en est fait jusque la première moitié du XXe siècle, comme il s'en est toujours fait. Oui. Enfin, presque, comme il s'en est presque toujours fait en France, au moins depuis Chrétien de Troyes, quoi. Mmh. De la fiction essentiellement, des pièces de théâtre. C'est vrai que c'est pas très commun dans le monde d'aujourd'hui, quelqu'un qui écrit du théâtre. C'est plus trop à la mode, en tout cas. Non, et la poésie avec l'esprit canal, on a tendance à railler la poésie. Oui. Et quelqu'un fait de la poésie, on le prend pour un Benet, un Candide, un Tube. Au Portugal, non, les gens aiment encore la poésie, ou au Brésil. Mais en France, la poésie est vachement raillée par l'esprit canal. C'est vrai. Alors que quand même, on a Baudelaire, Ronsard. On a les plus grands poètes du monde, voilà. Soyons clairs. Au niveau poésie, oui, on a vraiment des gens qui nous... Qui nous transporte, on a vraiment eu, je ne sais pas, de grands poètes. Oui. Et je crois qu'aussi résister à ce monde actuel, c'est aussi s'inscrire aussi dans cette tradition, par exemple littéraire. C'est mm-hmm. Continuer de faire de la poésie, de faire du théâtre, de faire du roman, d'être français. Bah, finalement, maintenir la flamme, c'est aussi ça, c'est-à-dire continuer d'être français dans les faits. Voilà. Donc, évidemment, il faut militer de façon nationaliste plus que jamais, etc. Mais je n'avais pas envie de n'être que dans l'essai, que dans la sociologie. Et puis, il va finir par y avoir plus de sociologues que d'individus, quoi. Je veux dire, tout le monde est, à une époque, tout le monde était psychanalyste, puis tout le monde a été philosophe. Maintenant, tout le monde est sociologue. Bon, on peut aussi aborder d'autres sujets. Moi, je continue à faire de la fiction, comme un chausseur peut continuer à faire des sabots, même si ça se porte plus, tant pis. Mais c'est une belle comparaison. Et est-ce que tu penses, j'avais pas écrit cette question, mais elle me vient. Est-ce que tu penses que dans nos sphères, l'art est un peu trop déconsidéré? Alors ça, c'est un de mes sensations, moi. Ça, c'est, j'ai cette grande, grande sensation, et c'est très dommage, ouais. Parce qu'on a laissé la métapolitique, dont la littérature, mais aussi la peinture, la sculpture, entièrement aux gauchistes qui s'en sont servis comme objet de propagande, mm-hmm. qui ont fait un art dégénéré ou une sous-littérature exhibitionniste ou décousue. Et ça aussi, ça contribue. C'est-à-dire que aimer la France, ce n'est pas que ça, hein, c'est sa médecine, ses sciences, son architecture, ses jardins, son peuple, ses villages, un tas de choses. Mais c'est aussi aimer ses lettres, et c'est aussi s'intéresser à sa culture. Oui. C'est donc laisser ce terrain-là au gauchisme, même politiquement, je trouve pas que ce soit très malin. Je trouve pas que ce soit intelligent qu'il n'y ait plus que des sociologues, qu'il n'y ait plus de créateurs. C'est dommage pour le pays. Oui, c'est-à-dire que même des gens qui n'aiment pas l'esprit artistique, qui ne lisent jamais, il faut comprendre que par pragmatisme, c'est important d'occuper ces terrains pour que nos pensées continuent d'être, nos idées continuent d'être véhiculées. Ben bien sûr, et pour le plaisir de lire une belle histoire, de lire autre chose que les épouvantables bouquins de Christine Angot. J'ai lu ces trucs-là. Je m'y suis collé. Hein. Mais même, on dit Finkielkraut, j'ai lu Un cœur intelligent, c'est un cœur complètement con, je m'excuse. Hein. J'ai lu le bouquin, il est très mal écrit. Ça parle de l'art des autres, il n'y a absolument rien. C'est très, très décevant. C'est qu'un académicien, et ce niveau-là, c'est vraiment au niveau de la littérature. Comme on devrait faire aussi en architecture, comme devraient faire les maçons, il faut se remettre à faire du beau. Mmh. Je trouve ça vraiment... très, très important. Puis c'est vrai que politiquement, ça a de l'attrait de lire une bonne histoire, de présenter une image de nationaliste qui soit autre chose qu'une image de plouc ou de bœuf. Ou de rageux. Voilà, de rageux, même s'il faut des bagarreurs, etc. Hein,
ça fait partie de la vie, ça fait partie de la réalité. C'est important que les idées se finissent toujours par se défendre avec les poings un jour ou un autre. On peut trouver ça malheureux, mais c'est un Comme signe. ça, Ouais, voilà, c'est comme ça. Donc évidemment, c'est cette partie de batailleur, cette partie est essentielle. Je la dénigre pas, En en tout tout cas, je te cas, cette remercie de partie. remettre à sa place l'épouvantable Christine Angot, qui s'est ridiculisée bon, quand elle avait interviewé Fillon il y a quelques mois. Mais je vous encourage, enfin, je vous encourage, mais si vous voulez voir l'horreur littéraire, moi, c'est des livres qui font souffrir, parce qu'ensemble, ils sont mal écrits, mais ils Bien sont sûr. immoraux, ils sont sales. Lisez un jour un livre de Christine Angot, vous allez voir ce que c'est. Vraiment la vraie gauche, l'horreur gauchiste Oui, totale. et c'est surtout les propos décousus, c'est les et puis les gens qui rentrent dans cette logique de vouloir être choquant à tout prix, Oui. ils doivent toujours retrouver un crescendo. Alors elle a commencé par son histoire d'inceste, ensuite elle a parlé de sodomie avec un banquier, puis de son histoire, elle a voulu être encore plus sulfureuse en racontant cette histoire avec ce rappeur endormi De là, Doc Doc Gynéco, elle a Gynéco. raconté comment Doc Gynéco le baisait. Voilà. Et là, il va falloir lui trouver, si elle veut refaire des bouquins, toujours quelque chose de dessus. Donc, ça finit par du vomi séché, quoi. C'est Ouais, c'est nul, pas tout d'intérêt, simplement. quoi. Alors, avant qu'on parle d'écriture et de littérature, parlons un peu de ta pensée politique. Il me semble que tu es monarchiste. Qu'est-ce que tu entends par là? Mais ce que j'aime bien dans l'histoire, bon, c'est que la France a été puissante à l'époque des Celtes, des Armoricains, parce qu'il y avait une puissance spirituelle en même temps qu'une puissance guerrière. Et un peuple qui croit est un peuple qui n'a pas peur, est un peuple qui conquiert, qui est fier de lui, qui a enlevé la peur de la mort, qui a une vraie aide non matérielle qui soutient énormément dans la vie, qui en font des peuples forts. Ensuite, il y a eu la monarchie, avec le catholicisme très prégnant, et j'ai en regardant un petit peu mon arbre généalogique, puis l'histoire de France en tant qu'autodidacte, je ne suis pas historien, j'ai vu la façon dont ça fonctionnait, la liberté immense qui y régnait. Il y avait des corps de métier. Par exemple, nous appartiendrions au corps de métier des écrivains. Et ce serait l'État ne foutrait pas ses sales pattes là-dedans, ne viendrait pas nous taxer. Nous serions régis entre nous au niveau des rémunérations et tout ça. Et c'était pareil pour tout corps de Les guildes, en métier. fait, en quelque sorte. Voilà, exactement. Et chose qui a été reprise par le fascisme. Après, je crois d'ailleurs que c'est et ça donne une économie forte. Ça donne beaucoup plus de liberté dans le métier, dans ce qu'on entreprend, dans un bon tiers de notre vie, hein, quand même. Et c'est aussi Maurras parlait de la monarchie qui était l'anarchie plus un. Et c'est vrai que les monarques, les seigneurs, etc. C'était pas François Hollande qui se planquait sous bureau. Louis XIV, par exemple, allait à la guerre à 12 ans avec une épée. C'était des gens qui défendaient leur peuple et qui rendaient la justice. Et quand il y avait un problème, ils mettaient leur armure et ils se battaient. Ils avaient en récompense. C'était pas quelque chose où on n'avait que des intérêts, comme un bon ministre socialiste, on fait que prendre et on ne donne rien. Là, ils donnaient de leur personne, ils donnaient de leur. Et je trouvais ça un peu plus moral, sans que ce soit un système non plus parfait. Hein. Je suis pas en pleine illusion. Voilà, mais ça me semble. Et en regardant, c'est les moments où la France a été puissante et où a rayonné au niveau des arts et des lettres, mais aussi au niveau de l'armée, au niveau Politique, en de fait, politique, générale, voilà. la France était le sommet de l'Europe. Ça a été la plus première puissance mondiale sous Louis XIV, un moment sous Napoléon aussi, d'ailleurs, je crois, qui est un empereur, quoi, qui était dans cette logique 10 ans après la Révolution. Voilà. Tu as raison de souligner que c'est un des principes majeurs d'un État de droite authentique, c'est qu'il y a une différence entre les citoyens et ceux qui font l'armée. C'est-à-dire, en fait, il y a les gens. On voit très bien, ça semble n'avoir rien à voir, mais dans le film Starship Troopers, on voit que les gens qui font la guerre, eh bien, ils ont des droits, ils ont le droit de vote. Et ceux qui ne Oui. font pas la guerre n'ont pas le droit de vote. Donc, en fait, il y a des droits et des devoirs pour Voilà. les gens qui sont dans des castes supérieures, en fait. Et c'était le cas de. Bah oui, on obtient sa légitimité en mettant sa peau en jeu, ce qui n'est pas rien quand même. C'est Hein. anormal, ouais. Oui, et puis bon, et puis cette illusion de démocratie, moi franchement, que Chouard m'excuse, mais je crois pas que ça puisse fonctionner à plus de 50 000 personnes. Que Oui. ça a fonctionné un tout petit peu à Athènes, et encore ça n'a pas tenu.
C'est toujours laisser la porte ouverte à Bernard-Henri Lévy, à de vils manipulateurs et tout ça. Toutes les belles idées, parce que c'est une belle idée, la démocratie, toutes les belles idées sont vouées à être récupérées, à être infiltrées par des salopards qui vont en faire de sales Et choses. puis finalement, les gens Donc, votent pour ce qu'on leur dit. Je veux dire, exactement. c'est une illusion finalement. Voilà, et puis avec un pouvoir à plusieurs têtes tournant, mais où on retrouve toujours un peu les mêmes. Je crois qu'après la Révolution française, une des premières mesures qui ont été prises a été de ne pas donner l'accès politique au bas clergé et à la paysannerie, c'est-à-dire aux pauvres de l'époque. Donc il y avait déjà une volonté de rester entre De grands museler, ouais. bourgeois. Et puis regardons un peu, ça n'a pas changé en 2 siècles et demi. C'est vraiment des gens qui font de la politique que pour eux-mêmes, qui sont en permanence en train de mentir. Macron, là, qui devait supprimer la taxe habitation, et pour finir, alors qu'il était ministre de l'économie, découvre que Hollande a laissé 8 milliards de dettes, ne va pas pouvoir supprimer la taxe d'habitation. C'est toujours des entourloupes comme ça, toujours, c'est toujours se moquer de nous, nous pressuriser, etc. C'est insupportable. C'est vraiment le camouflet de la haute finance. C'est vraiment un système très malhonnête, très abusif. Qui fait, on devrait bien vivre, on produit de la richesse, nous sommes un peuple intelligent, on devrait bien vivre de par l'accès au pouvoir, au maintien de pouvoir de ces gens-là, on vit de façon exiguë, on paie de plus en plus, ils prônent l'immigration massive, on vit en conflit ethnique alors qu'on pourrait vivre en bonne entente entre pays, en étant, etc. Tout ce qu'ils font. Est à leur unique but, et ça nous mène tous, on le voit bien. Je crois que même le plus dernier des crétins en France l'a compris, même un bobo, même les bobos commencent à comprendre, ça va nous mener à la catastrophe. D'accord, bah écoute, on va pas faire une émission spéciale monarchie, mais je te pose quand même une dernière question en ce sens. Est-ce que tu crois que au 21e siècle, ça a encore une résonance dans la tête des gens, la monarchie? Est-ce que ça peut passer, étant donné que beaucoup de gens sont... Même pas, ils sont au-delà de la décrétinisation, ils ne sont plus croyants. Donc, est-ce que c'est possible de faire tenir un régime monarchique sans cette croyance fondamentale? Bon, je serais tenté de dire non, mais pourquoi pas un roi agnostique, pourquoi pas un roi ou avec un catholicisme Politique, ouais. très secondaire, très politique, etc. L'analyse que j'ai faite par rapport à ça, c'est que, bon, tu sais très bien qu'il y a une différence notable entre le véritable Adolf Hitler, le véritable Benito Mussolini et ceux que les médias ont réécrit. Tu vois, tu as vraiment de D'accord. Hitler, tu as vraiment de Mussolini. Ouais. Et je crois que dans l'imagerie populaire, l'inconscient collectif, on peut pas baser ça. Si on voulait remettre en place un pouvoir fasciste ou socialiste national, on serait très impopulaire, on n'aura jamais accès à ça. Par contre, la monarchie, on dit, oh, elle est belle comme une princesse, on dit pas, elle est belle comme une première secrétaire de parti socialiste, tu vois, Ce n'est pas aussi diabolisé en tu fait, vois, c'est pas simplement. diabolisé, il continue d'y avoir un côté attractif, rutilant, qui peut plaire au grand public, puisque une politique, ça se fait aussi un peu avec les autres, malgré C'est tout. sûr, c'est sûr. Donc, voilà où mes réflexions aussi m'ont mené, quoi. Maintenant, réussir à séduire avec le bon roi, montrer la liberté, etc. C'est pas si simple avec l'image que la République, à travers ses manuels scolaires, a livrée de la monarchie. Tu sais que le droit de cuissage, par exemple, ça voulait dire que si un Italien s'appelant Conversano voulait épouser une fille Lefebvre, il aurait dû payer un impôt parce que cette femme aurait fait des enfants et que ça aurait été une perte pour le royaume. Le droit de D'accord, cuissage, c'était pas un seigneur qui s'amène et puis qui trinque toutes les pucelles avant le mariage, quoi. T'imagines, les monarques, pour tenir le pouvoir 13 siècles, devaient s'occuper un peu de leur peuple quand même, et le craignaient quand même. Ils craignaient la révolte populaire. Et en 1789, tu vois, Mais ça d'accord, montrait quelque chose ou c'est la pas, quoi. stature du roi qu'on recherche, pas forcément le fond spirituel. En tout cas, c'est ce que tu penses. Oui, mais qu'est-ce qu'on cherche? On cherche l'homme providentiel. Oui, là, c'est vrai. S'il est déjà sur place, et si depuis l'enfance, il est éduqué à être l'homme providentiel, si toute sa vie est une vie de renoncement. Tu sais qu'il y a des nobles qui se suicidaient pour ne pas assumer leur charge tellement elle était lourde, quoi. Hein, Oui, il faut bien rappeler aussi que par le principe de l'hérédité aussi, bah, vous ne pouviez pas faire n'importe quoi de votre pays parce que c'était votre enfant qui allait en devenir le souverain. Et c'est quand même une Exactement, chose voilà. importante.
Et puis quand tu étais un peu dilettante, que c'était trop de responsabilité, trop étouffant, mais tu voulais échapper, tu pouvais pas, c'est de droit divin. Ah, bien sûr, bien sûr. Donc c'est pas toujours simple pour eux, ça n'a pas toujours été simple pour Et eux, nous quoi. parlons même pas de la romantique où quand vous étiez un mauvais empereur, vous vous faisiez assassiner, tout simplement. Voilà. Vous Là, étiez c'était... fou, voilà, on va s'en occuper. On en rêve actuellement, mais bon. Bon, voilà. Sans transition, pourquoi tu as commencé l'écriture? Qu'est-ce qui t'a motivé? Est-ce qu'il y a eu une étincelle? J'ai beaucoup entendu d'écrivains contemporains dire qu'ils auraient aimé être écrivains pour pouvoir baiser des nanas. Ouais. Je pense à Houellebecq, à je sais plus qui. J'ai souvent entendu ce genre de choses, même autour de moi, ou qu'ils avaient fait de la musique pour ça. Moi, j'ai toujours, même avant de, même quand j'étais un petit garçon et que je détestais les filles, j'avais déjà envie d'être écrivain. J'avais lu les. Ma grand-mère m'avait acheté un recueil d'Alexandre Dumas. Et les trois mousquetaires, l'affaire de la reine, l'affaire du collier, pardon, etc. Ça m'avait, j'avais adoré, et j'ai aimé lire. J'ai aimé lire, et j'ai lu énormément. J'ai commencé à écrire à l'adolescence, mais j'ai lu depuis l'enfance. J'ai adoré ça comme d'autres gamins pouvaient adorer jouer au foot, quoi. C'est vraiment. Et puis à une époque de ma vie, j'étais en sport spécialisé athlétisme, où j'ai fait du Viet Vo Dao parce que j'étais bon dans ça, et la littérature, j'étais naturellement bon en français, en Oui, maths aussi, mais t'avais des en français, facilités voilà. d'expression. Exactement, j'avais de bonnes notes en composition française, en On appelait rédaction. ça comme ça à l'époque, Oui, ouais. je réussissais bien mes dictées, etc., alors que je manquais énormément l'école, mais. C'était facile pour moi. Donc j'ai toujours eu tendance, et je crois que c'est un bon choix de vie, à me tourner vers les choses qui me font plaisir et avec lesquelles j'ai des facilités. J'aurais été un très mauvais mécanicien, je ne dis pas ça pour jouer un personnage, c'est que Ouais. vraiment, je n'arrive pas à Il faut comprendre le suivre le mouvement de truc, son âme, bien sûr. j'aime pas que ça fasse mal aux doigts, que ce soit compliqué à aller chercher le truc derrière, etc. Je suis pas... Je pense que, voilà, il faut aller vers ce qu'on aime, ce qu'on fait bien. Tu as commencé à écrire des histoires, au début il n'y avait pas vraiment de format, c'était quoi? Plutôt du roman, plutôt de... Enfin... Ça a été, alors j'ai fait comme Hemingway, j'ai mis beaucoup de temps à écrire des romans. Ça a d'abord été des nouvelles, mais à une époque de ma vie, je me droguais énormément, héroïne, alcool, etc. Et très souvent, j'écrivais, je perdais ce que j'avais écrit, ou je vomissais dessus, ou des choses comme ça, des trucs. Et j'avais une telle sous-estime de moi que je me disais, je n'osais pas, si tu veux, passer le cap et puis présenter un de mes travaux à une maison d'édition. C'est quand même, quoi. Tu vois, Alors que c'est censé être le but finalement de l'écriture. voilà. Mais quand même, il y avait des gens comme Bernanos qui écrivaient, etc. Oser éditer, etc. Se mettre à l'égal de ces gens pour qui j'avais tellement d'admiration, c'était pas simple non plus. C'était pas une démarche simple. Et puis, je me suis beaucoup illusionné. J'ai pensé qu'en étant commercial, je gagnerais beaucoup d'argent en faisant peu de choses et que j'aurais le temps d'écrire. J'ai eu un tas d'erreurs de parcours, et puis jusqu'à ce que je décide d'écrire et donc de crever de faim pendant un moment, quoi. C'est très important ce que tu dis parce qu'il y a un certain nombre de personnes qui veulent se mettre à vivre une vie artistique, à commencer à écrire et qui écoutent des gens plus âgés et ils me disent bah, comment on commence, comment on fait. Et c'est vrai que ce que tu viens de raconter, c'est un piège dans lequel on est tous un peu tombés. C'est qu'on cherche à trouver des moyens de revenus passifs qui nous permettent d'accorder du temps à la Bien littérature sûr. et finalement ça n'arrive pratiquement jamais. Et à un moment donné, on se décide à se lancer corps et âme et à être Oui, pauvre. ben oui, voilà. Il faut en passer par là. Et puis je le suis resté tout le long où j'ai écrit. J'étais à la rue, j'ai vécu dans une caravane, j'ai été hébergé par des gens, j'ai eu aussi des appartements, j'ai eu des boulots de fortune. J'ai été videur, déménageur, cadre commercial, j'ai vendu des assurances, moi qui ai super horreur de ce genre Ouais. de système. T'as vécu d'expédient finalement pour... Oui, j'ai fait de la ferraille, je me suis démerdé, quoi, d'expédients, un petit peu comme j'ai pu, mais j'écrivais. Mais Ouais. j'écrivais. J'étais vraiment. Je crois vraiment que c'est quelque chose qu'on a en soi, qui passe par tous les pores de la peau. Je crois qu'on l'a naturellement. Ouais. Après, il y a une partie de travail, d'apprentissage et tout, certainement, hein, mais. Je crois qu'on a la sensibilité littéraire ou on l'a pas. C'est D'accord, oui, ça paraît. un pan de personnalité. Alors, je voudrais faire une petite digression sur le fait qu'il y a quelques mois, tu as vécu quelque chose d'embarrassant, de problématique, tu as été expulsé de chez toi. Et justement, à ce moment-là, tu as vécu un peu
bah, tu n'avais pas de foyer. Est-ce que tu peux me raconter un peu cette histoire incroyable? Parce que des gens voulaient que, bah, faire un point là-dessus pour savoir comment tu t'en sortais. Eh bien, oui, parce que je trouve un logement je trouve un logement dans lequel je suis bien, dans le 16e arrondissement. J'étais le voisin de Xavier Niel, tu vois, j'avais toujours quatre gardes du corps devant mon studio, tu vois, le surveiller. En face du consulat d'Italie, il y avait des caméras, etc. Et puis, je vivais au jardin du Ranelagh, auprès du jardin du Ranelagh, au milieu des arbres, dans un endroit sympathique. Et j'y étais bien. Mon propriétaire s'est fait gauler par les impôts et les impôts sont venus frapper à ma porte et par un avis de tiers détenteur, m'ont demandé de leur régler mon loyer. Je l'ai presque toujours fait, sauf à un moment où, pour du boulot, j'avais perdu mon permis, où j'ai pas payé deux, trois loyers parce que j'ai dû débourser pour repasser le code et pour pouvoir avoir ce travail qui me permettrait d'avoir des facilités financières, donc pour pouvoir justement continuer à le payer et à vivre. Et entre-temps, ben, le procès a eu lieu sans moi, alors que j'attendais l'accord de l'aide juridictionnelle que mon avocat, Elie Attem, bien connu dans Bien notre sûr. domaine, hein, Maître Attem, qui est un Je le ami salue aussi, hein. d'ailleurs. Salut Elie. Donc on s'est occupé de cette affaire, mais le juge a fait le procès sans moi et a ordonné l'expulsion et a donné des dommages-intérêts à mon pauvre propriétaire. Je dois lui donner 1000 balles qu'il attendra éternellement. Enfin voilà, c'est une histoire. Je me C'est suis fou, retrouvé dehors, tu quoi. étais jugé par contumace, on t'a pas prévenu de... Non, non, non. Et d'autant plus que c'est l'aide juridictionnelle qui m'a dit qui a reporté le procès. Et le juge, qui était de la même communauté que mon propriétaire, a tout de même fait le procès sans. On attend l'appel, on a fait une demande d'exécution des peines, un truc rapide. Et là, curieusement aussi, la juge nous donne raison sur tout, mais n'a pas prôné la réintégration. D'accord. Alors, il y a une personne qui a proposé de m'héberger, qui était un peu loin, une autre plus proche qui m'a accepté dans ses pénates. Donc, je fais comme ça, et puis là j'ai de nouveau un emploi, Oui, tu t'es et voilà, interpellé. je vais mettre de l'argent dans une chaussette, et puis Oui. reprendre un T'es arrivé un hébergement, peu au mais bout du tunnel finalement, t'as réussi. j'en suis pas encore, mais bon, Oui. j'ai un boulot, puis je vais La vraie pouvoir. question que se posent les gens, c'est est-ce que ça a un rapport avec tes pensées politiques, cet acharnement C'est pas impossible. Bon, je pense qu'il y a avant tout un truc financier. C'est-à-dire que ce mec qui se faisait gueuler par les impôts, il s'est mis à faire du Airbnb. Et Ouais. puis, ça lui rapporte du blé, il continue de gruger les impôts, il continue de pas être embêté. C'est curieux, il y a des gens qui ne sont jamais Oui, c'est vrai. embêtés. Ils se font gauler, ils se font en flagrant délit, ils ne sont jamais embêtés par la justice. C'est étrange quand même, hein. Ouais. Enfin, Oui, c'est vrai, c'est vrai. c'est étrange. Justice à deux vitesses, c'est Voilà, vrai. exactement. Mais là, ouais, vraiment, vraiment, hein. Donc, je crois que c'est avant tout au niveau financier, c'est que le mec allait devoir donner 850 euros, allait voir avoir 850 euros de moins qui allait directement aux impôts. Je crois que D'accord. c'est surtout ça le moteur. Maintenant, il sait très bien ce que je pense, Ça que, politiquement. voilà, ouais. Donc, il sait très bien que je suis conscient des ravages de l'immigration, du vivre ensemble, que je suis conscient du rôle de la communauté juive à laquelle il appartient dans cette immigration. Il sait tout ça. Donc c'était l'ami d'un ami. Voilà, il sait un petit peu tout ça, et forcément, ça lui déplaît. Ça lui déplaît. À part que, bon, voilà, la politique n'a rien à voir avec une histoire de loyer, et puis que, voilà, c'est Oui, ça peut être un pas. facteur aggravant dans sa tête. Il s'est dit en plus, Oui, on va bien se faire voilà. foutre. J'ai un raciste antisémite, Voilà, homophobe, sexiste chez moi. Horreur, quoi, horreur. Alors que, bon, voilà, c'est quand même lui qui se comporte comme un porc. Et puis chez nous, il y a une loi, il y a une façon d'être où le privé et le public ne se mélangent pas, où c'est la oui. justice qui intervient, c'est pas l'humeur. Ce qui est certain, c'est qu'à un moment donné, il y a eu un choc où tu es rentré chez toi et tu n'as pas pu revenir, tu n'as pas pu entrer dans ta maison. Ah non, il y Ça, c'est avait vraiment un. choquant. Je revenais du boulot, je passe pour me changer, il y a un grand encart, vous seriez poursuivi au pénal si vous cherchez à rentrer chez vous.
Et voilà. Et puis ce type, en plus, lors de l'avis d'expulsion dans ma boîte aux lettres, il me l'a chippé en plus. Donc j'étais pas prévenu, j'ai préparé ni mon départ, ni ma défense. Incroyable. Et Qu'avait-il fait de tes affaires? Il les avait mis au pas de la porte comme ça? il les avait gardés un moment à l'intérieur. Ouais. Après, le huissier, cette bonne femme, m'a dit, vous pouvez venir rechercher quelques affaires, vous avez un quart d'heure. C'est Fort Boyard en fait. Tu as un quart d'heure en fait pour récupérer tes Ouais, mais affaires. c'était tout à fait C'est ça, je sautais sur les grotesque. trucs, j'en prenais le maximum, tu sais, et Ouais. puis voilà, des affaires que j'ai travaillé pour me payer quand même, hein, je veux dire, Bah, c'est tes affaires quoi. voilà, Ouais. mais j'ai pas pu tout récupérer, évidemment, il y a une partie qui s'est retrouvée dans un garde-meuble, et puis j'allais pas payer X centaines d'euros pour récupérer trois babioles, alors tant pis, quoi. Pour clore ce chapitre, est-ce que tu as encore aujourd'hui besoin d'aide? Tu as besoin d'un coup de main de Natio ou autre? Non, si simplement il y a quelqu'un qui loue un appartement dans le 16e, le 15e, le 14e, à proximité de mon lieu de travail, Ouais. je Ah bah c'est peux. bien, c'est un appel qu'on peut lancer, Voilà, hein. je peux sans problème payer une caution et un loyer, et puis régulariser cette situation. Bien, c'est J'avais trouvé bien. un appartement à un moment à Levallois, le type s'est rendu compte que je n'avais pas de fiche de paie officielle, machin, etc. Il m'a pas gardé, donc j'ai eu un petit mot comme ça, un petit moment de trucs comme ça. Oui, bien sûr, c'est pour ça qu'on demande des coups de main, parce qu'aujourd'hui, pour un appart, il faut avoir 48 garants, hein, bien Voilà, sûr, je fiche de paie depuis n'ai pas 2013. ça. Bon, voilà, Voilà. c'est un peu C'est fou. un peu compliqué. Bon, sinon, je gagne normalement ma vie, j'ai aucun problème à payer un loyer. Ouais. Bah, on est Depuis, je n'ai content que fait tu. plus. Ouais, on est content que tu. Bah, t'as mis la meilleure mine que quand je t'ai vu la dernière fois, t'es un Oui, peu. oui. Ouais, ça Oui, va je suis moins mieux. fatigué, j'ai moins de soucis. La vie suit son cours, ouais. Alors, je reviens à l'écriture. Est-ce que tu as eu des maîtres en matière d'écriture, des gens qui t'ont influencé, des. Non, il y a des gens que j'ai beaucoup aimé Bernanos, j'ai beaucoup aimé Balzac, Oui. beaucoup Baudelaire, mais même aussi un écrivain comme James Ellroy, par exemple, beaucoup d'auteurs russes, des gens que j'ai eu beaucoup de plaisir à lire. J'ai énormément lu, jamais quand j'écris, je veux pas être inspiré, je veux pas prendre une idée d'un autre, mais prendre même une ambiance, tu vois, quand tu rentres dans une ambiance qui te plaît, dans une œuvre, tu prends de cette ambiance à ton insu. Donc, lorsque j'écris, je ne lis jamais. Je ne lis jamais D'accord. pour que ce soit vraiment sorti de moi, quoi. T'as des influences en fait assez diverses, c'est-à-dire que tu n'es pas centré uniquement sur la littérature française. C'est bien ça, Non, ce. non, non. J'ai même lu des polars japonais. J'ai lu un tas de choses. Dans la langue japonaise, bien sûr, oui, évidemment. oui. Crois-moi qu'il maîtrise Facile en l'écran. kimono. Bah, c'est pour la deuxième partie, on l'a fait en japonais. Horreur. Ouais. Donc, ouais, t'as des goûts assez pluriels en fait. Éclectique, oui. Et Ouais. puis il y a pas mal d'écrivains européens. J'aime bien Annunzio. J'ai découvert une poétesse portugaise, une pièce de théâtre que j'ai jouée, que j'ai en partie écrite, qui s'appelle Flor Bella e Espanca. C'est pas trop mal. J'aime beaucoup Neruda. Oui. Là, pour une fois. À part peut-être quelques femmes, je suis transfrontière, Oui, quoi. d'accord. Est-ce qu'il y a des auteurs contemporains, par exemple, considérés de droite ou pas, qui te plaisent, que tu lis avec plaisir ou Non, actuellement, non, non, non? je sais pas. Il faut rechercher quelques décennies en arrière. Houellebecq est intelligent dans quelques interventions, je trouve, et tout. Mais c'est quelqu'un qui a construit son œuvre vraiment dans la haine de soi. Et même si le personnage est intelligent et que je suis content de sa réussite, puisque c'est un parcours un peu similaire, hein, au niveau familial, au niveau tout ça, c'est un pauvre qui a fait des études, qui a des difficultés familiales, etc., qui a réussi par son talent. Et j'aime bien l'intelligence de Houellebecq, mais j'aime pas sa littérature, j'aime pas ce truc comme ça, Oui, hein, qu'on c'est retrouve chez Pessoa aussi. description du médiocre Voilà, et se complaire un peu dedans. l'apologie de l'anti-héros, du médiocre et tout, j'en ai marre de Oui. ça. Il faut vraiment retrouver de l'épique, du beau, Oui. et je suis fatigué du type qui est promu par les Lévy et compagnie parce que justement il dit du mal de lui-même, Montre une quoi. image d'un blanc Voilà, d'un blanc qui se fatigué, ouais. sous-estime,
d'un qui a blanc des qui est difficultés sexuelles, voilà. qui est laid. En fait, Houellebecq, à son insu, dit la même chose de Bernard-Henri Lévy, c'est-à-dire qu'un Français de souche est de la merde, quoi. J'en ai marre d'entendre ce genre de choses, quoi. Ouais. Alors, c'est pas vrai, on a eu tellement de bons auteurs, on a eu tellement de bons médecins, il y a des gens tellement bien chez nous, quel que soit le domaine. Ce que tu dis me fait penser à... Nab a consacré un petit bouquin à ça, ça s'appelle 27e livre. Il explique qu'à un moment donné, il a vécu dans l'immeuble en face de Houellebecq. Et justement, il dit la même chose, il dit que Houellebecq a fonctionné parce qu'il y a l'image de ce temps où on s'autoflagelle, où en fait, on a des défauts, on n'essaie pas de lutter contre, on les accepte, on les romance. Enfin, j'ai vraiment cette sensation avec Houellebecq. Ah oui, donc on a vu la même chose tous les trois. Alors Je sais pas, tu n'as jamais vraiment lu Nab, tu t'es pas intéressé au personnage? J'ai lu des pamphlets, etc. Peut-être que je suis injuste, peut-être que je suis critique, ouais. Céline avait dit que le pire serait les enfants de Céline. Et j'aime pas trop tous ces enfants de Céline, tous ces gens qui ont repris la prose de Céline, sauf peut-être Frédéric Dard, quand même, qui était doué. Ouais. Mais j'aime pas les gens qui sont outranciers pour faire du Céline, qui sont outranciers pour être outranciers, qui sont choquants pour être choquants, qui sont toujours contre pour être contre. Voilà, puis j'aime pas quelqu'un qui se colle à un écrivain, qui lui vole sa personnalité, sa façon d'être, etc., au lieu d'afficher la sienne, s'il en a une, et puis d'avoir sa propre façon d'écrire et de penser. Pour moi, être écrivain, c'est ça aussi. C'est avoir son rôle créateur. Nab, c'est un petit côté. Tu vois, des fois, j'ai grandi dans le Pas-de-Calais. Des fois, tu avais des sosies de Johnny Hallyday ou de Claude François, tu sais, qui faisaient des shows. Et avec Nab, j'ai un petit peu l'impression de ça, tu vois, d'un sosie de Claude François. Ah oui, de Johnny Hallyday, tu vois, à l'instar de Céline, tu vois. J'aime pas ça du tout. Et puis j'aime pas non plus le truc de balancer sur ses amis. Je me souviens du... Ça, par contre, je te rejoins là-dessus. Le côté journal intime, où en fait, c'est comme si toi, tu partais maintenant dans mon journal intime, j'ai écrit t'es un connard, et 5 ans après, ça s'édite, c'est quand même assez ignoble. Oui, moi, je trouve que c'est facile, c'est dégueulasse, j'aime pas faire ces choses-là. C'est quelque chose que j'ai pas mis non plus chez Nab. Il avait un ami, je sais plus lequel, qui avait une enfant handicapée et il avait écrit des horreurs sur cette... Alors déjà, c'est très facile à faire. Hein, oui. Voilà, c'est pas pour moi de la confession intime. C'est choqué. Voilà, je préfère qu'on s'attaque aux puissants en général. J'aime pas cet état d'esprit. De toute façon, c'est une intelligence facile, ce genre de choses. Ça me plaît pas, quoi. D'accord. Alors, dans la deuxième partie, on va décrire un peu tous les ouvrages de toi que j'ai pu découvrir. Pour clore ce premier chapitre, est-ce que tu peux expliquer aux gens sur quelle plateforme peuvent-ils se procurer tes ouvrages? En fait, c'est des choses qu'on peut commander en ligne? Comment ça se passe? Alors, il y a un bouquin qui se trouve aux éditions Tatami, pour lequel je n'ai jamais été payé d'ailleurs, qui s'appelle « L'oublié d'Outreau ». J'en profite pour y mettre des comptes au passage. On mettra une petite vignette. L'oublié d'Outreau, c'est oui, ça? Oui, l'oublié d'Outreau aux éditions Tatami. C'est qui ça, Tatami? C'est Jean Robin. Jean Robin. Salut. Salut Jean. Et il y a aussi bon après il y a un roman qui m'a important parce que je crois vraiment d'utilité publique. C'est pas humble de dire ça, hein, mais je suis pas humble. Et ce livre est bien, il s'appelle 26807. Mmh. Il se trouve aux éditions Dédicace, parce que je n'arrive pas à trouver d'éditeur en France pour ce livre. Je sais que le mec d'Albin Michel, Esmenard, Francis Esmenard, avait dit que c'était le premier roman qu'il lisait en 20 ans sans se faire chier. Dixit, hein, c'est lui qui a parlé comme ça. Okay. Mais qu'il ne pouvait pas le sortir ou qu'aucune grande maison d'édition française ne pourrait le sortir. Pour quelle raison ? Il critique le mondialisme, tout simplement. Il n'est même pas antisémite ou raciste, il fait juste que critiquer le mondialisme et c'est suffisant. Donc c'est un grand compliment, très très grand compliment, il paraît de ce cynique. Et puis, tant pis pour Moix, pour Zemmour, pour tout ça, parce qu'ils sont édités chez Albin Michel. C'est le premier roman qu'il a lu en 20 ans sans se faire chier. Salut, je n'y peux rien, quoi. D'accord, mais attends, ça c'est une chose qu'il a dite. Ouais. D'accord, okay. Ouais. C'est quelque chose que lui a exprimé. Hein. Mm-hmm. Moi, j'ai pas bien de retour là-dessus. Et donc, je trouvais pas de maison d'édition. Et c'est une maison d'édition canadienne qui est basée au Delaware, qui s'appelle les éditions Dédicaces au pluriel, mmh.
qui a accepté d'éditer ce bouquin. Alors je les commande, mais ce qu'il y a, c'est que les commandes me reviennent très chères. Oui. On dit, tu vois, je les fais venir, il faut les faire venir par UPS, un truc dans ce genre-là. Et donc de temps en temps, j'en vends un petit peu comme ça. Mais les gens peuvent en avoir une version physique ou c'est que des versions PDF qui Ah reçoivent non, non, ça? physique, Ouais. c'est un vrai livre avec une couverture. D'accord, ok, Voilà, où ils peuvent, mais ils peuvent aussi le commander sur dédicace et l'avoir soit en PDF ou soit le recevoir chez eux, oui. quoi. Oui, je crois aussi qu'il y a une possibilité d'avoir ça en version pour les liseuses. Moi, j'ai pas ça, mais les gens ont des liseuses, donc Je voilà. crois aussi qu'il y a la version pour les liseuses, oui. D'accord. Donc, et les autres se trouvent sur, tout simplement, j'ai fait dans la facilité, mais je te dis, comme la poésie a beaucoup de mal à se faire éditer, le théâtre aussi et tout, et Ça se vend pas en plus. ça se vend pas, ça se vend pas. Donc, j'ai mis tout ça sur Edilivre. Ok, ouais, donc une Edilivre, auto-édition voilà. classique. Ouais. Oh, mais c'est même pas de l'auto-édition, C'est imprimé sur commande. c'est l'impression à la commande. Donc tu n'as pas payé de ta poche. C'est la chose que j'aime pas dans l'auto-édition ou dans les gens qui te demandent de payer pour t'éditer. C'est un métier. Ouais, d'autant que c'est un risque financier. Voilà, Si c'est tu, voilà, un tu payes pour 1 000 risque. livres et que tu n'en vends pas 1 000, eh ben Oui, tu l'as dans l'os. Puis tu n'en vends pas 1 000. voilà, voilà, Ouais, voilà. Je on peux pas est me une paix. permettre ce genre Oui. d'incident de vie, quoi. Je suis pas rentier. Vraiment, je viens de nulle part. Je peux pas me permettre ce genre d'incident de vie. Et puis, bon, bah, de surcroît, je trouve que c'est un travail qui mérite une intervention tierce et qui mérite un salaire. C'est pas normal de donner de l'argent pour travailler, quoi. Tu Oui, bah vois, oui, c'est c'est pas. sûr. Tout écrivain essaye d'être édité et pas à ses frais, c'est normal. Exactement, voilà, Ouais. oui. Je mettais un point d'honneur à ça, quitte à être dans des choses un peu obscures ou un peu parallèles Ouais. comme ça. Mais, Tant pis. permets-moi d'être coquin, mais alors cette histoire avec Tatami, tu veux pas un peu en parler là? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il te paye pas? Qu'est-ce qui se passe? Benjamin, il m'avait avancé ou 40 ou 60 bouquins, un truc comme Ouais. ça, quand je vivais en Lorraine. Comme ça, je pouvais me les vendre et me faire un petit peu de blé. Il pensait qu'avec cette histoire, il allait se faire un best-seller. C'est pas été le cas. Il s'est pas vendu du tout. J'ai fait quelques télés. J'ai eu quelques pages dans l'interview, des machins comme ça. Mais le livre, c'est pas vendu. T'arrives. Et je parlais déjà de l'islam et tout ça à cette époque. Tu vois, Ah, d'accord. c'est le premier bouquin que j'ai sorti. Non, le troisième bouquin que j'ai sorti officiellement, puisqu'il y en a deux qui sont passés au pilon. De quoi parle-t-il en fait, l'oublié de trop? Bah, il parle, c'est une autobiographie. Une D'accord. autobiographie, je suis de cette région. J'étais. Il y a eu cette abominable affaire de trou qui est tombée, et puis une décision de justice où j'avais toutes les preuves qui auraient dû m'être favorables, qui est tombée à l'eau parce que cette décision de justice, parce qu'il y a eu cette affaire d'Outreau, si tu veux. Et Ah. j'en profite pour faire une contre-doxologie de l'apitoiement sur soi, de la victimologie, de tout ça. Dire que, justement, on va bien dans la vie quand on se bagarre, qu'on est dans le mouvement, quand on est en communion avec des gens, quand on se bat pour des choses qui nous dépassent. Ça peut être la littérature, ça peut être Dieu, la nation. Ce sont d'excellentes choses qui nous permettent d'aller très haut. On peut avoir un ego très fort à partir du moment où on a des choses totalement indépassables au-dessus. Et on peut faire des choses d'une belle mégalomanie. Où je vais prendre, je sais pas, des gens que j'aime pas trop comme ça volontairement pour montrer que je peux être aussi impartial parfois. Dali ou De Gaulle, s'ils n'avaient pas été mégalomanes, n'auraient pas fait ce qu'ils ont fait. L'un avec le tableau, l'autre avec son passage à Pourquoi en Londres. soi? Voilà, Donc voilà. ça implique peut-être une Voilà. forme de vanité parfois. De vanité. Ouais. Mais ça peut être utile à la société. Il y a une bonne mégalomanie si elle est bien utilisée, tu vois. Tout cas, rien ne se fait sans action et sans mouvement, c'est une réalité. Exactement. Et je suis dans 69, j'ai été baigné dans toute cette atmosphère psychanalytique où il fallait beaucoup parler de son enfance, où les problèmes venaient systématiquement de la mère, On a un où on peu eu était un peu toujours ça, hein? victime. Ouais, on a Ouais, eu un. ça c'est bien, ça a foutu le camp, cette pensée truquée, ce sophisme de masse a foutu le camp et Tu c'était une très bonne sais, même chose. si je suis plus jeune que toi, ça a perduré à mon époque à travers les émissions de Jean-Luc Delarue. C'était un peu ça, hein? Oui. On psychanalysait chaque invité, et puis finalement, on est passé à autre chose. On est passé dans un truc presque encore plus égocentrique, mais Oui. qui ne revient plus au père, en fait, à la mère. Oui, Une sortie de ça. on en a fini avec ça. Freud est en train d'échouer. Et enfin, quoi, c'est faux, en plus, c'est complètement faux. Et non seulement ça n'aide pas à aller mieux, mais ça génère des angoisses existentielles, métaphysiques.
qui viennent rajouter de la souffrance. Si on a vécu quelque chose dans la vie qui n'est pas forcément facile, et qu'on passe chez le psychanalyste, qu'on parle de ses pierres de souffrance, qu'on déplace la réalité ou la responsabilité sur une cause réinterprétée, sur quelque chose de subjectif, on rentre chez soi et on est plié de douleur sur son lit, on fait rien de sa vie, on souffre encore plus. Je l'ai vécu ça. Moi, j'ai essayé, hein. Je me suis trompé. J'ai foutu les deux pieds dedans. Effectivement, ça, tu vois, ça, Et ça effectivement, ça pue, déresponsabilise, quoi. c'est pas de ma faute, c'est mon Voilà, père, ma voilà, mère, la voilà. société. Et puis, ça règle pas le problème. Et puis, c'est faux. Et donc quand tu pars dans l'irréel, dans la fausse cause, comment tu peux rétablir? Tu iras certainement mieux en te bagarrant contre une véritable injustice. En acceptant que l'injustice fait partie de la vie aussi, hein, sinon on souffre trop. En allant te marrant et avec des potes, en décidant d'être un homme, de passer par-dessus ça, que en étant dans toute cette vie, culture de la victime, de l'anti-héros dont je parlais tout à l'heure par rapport C'est la même à chose. Welbeck. Oui, tout à Alors fait. je voudrais pas noircir Welbeck non plus trop, parce qu'il est aussi de cette génération-là, un petit peu au-dessus même, et qu'il a été aussi plongé là-dedans, et puis parce que c'est un homme intelligent, parce qu'il a dit des choses qui nous ont été utiles, parce que j'ai lu des phrases qui ont été des sauts d'intelligence dans Welbeck, Ah bah donc je c'est veux pas. une très bonne qualité quand Oui, même, exactement. Voilà, c'est. D'accord. Bah c'est bien de terminer cette partie sur cette note-là. Je suis tout à fait dans cette philosophie. Il faut que vous soyez acteur de vos vies et pas spectateur. Et même si vous avez vécu des choses atroces, soit personnelles ou au niveau de la société, votre vie dans le monde et dans cette France envahie, eh bien de toute façon, il ne sert à rien de rester sur ses échecs. Il faut toujours aller de l'avant. Non, puis ça donne une véritable force morale de surcroît. C'est-à-dire que lorsque tu lis la biographie de Napoléon, de Louis XIV, c'est des gens qui ont eu des enfances atroces, qui ont eu des passages de vie absolument dramatiques. Et souvent, toute mesure gardée, ça donne de grands personnages. Parce que justement, quand tu es capable de dépasser ça moralement, après, tu comprends aussi que l'importance. Peut-être pas l'essentiel, mais l'important, c'est aussi les autres, c'est que tu t'inscris dans des choses plus grandes, et tu as la générosité, tu as la force morale, et pour passer à travers. Donc ça te permet d'aller dans des actions parfois héroïques. Ça te permet en tout cas de devenir courageux. Je crois en ça, comme je crois à la puissance créatrice de la névrose. Je crois qu'il faut avoir morflé pour être un bon écrivain. Je D'accord. crois vraiment en ça. D'une façon ou d'une autre, hein, c'est pas. Voilà. On a quelque chose à raconter, c'est sûr, quand on a vécu Exactement. ça. Alors on pourra me retoquer ou me rétorquer, oui, mais Proust avait d'énormes problèmes de santé, il avait d'énormes problèmes avec son homosexualité et d'énormes problèmes avec sa famille. Il avait des souffrances très fortes aussi. Les souffrances, ça ne veut pas obligatoirement dire. Tu vois, Mais les. cela dit, ton théorème n'est pas contredit parce que même si Proust écrivait formidablement bien, personnellement, ça me fait chier parce que je considère en tant que pauvre à qui il est arrivé pas mal de bricoles dans la vie que bah, c'est une vie de bourgeois quoi. Donc finalement, ces problèmes Des problèmes n'en de sont luxe, pas en ouais. réalité. Mais bon, Oui. c'est très intéressant à niveau d'introspection, C'est des problèmes de c'est beau, bourgeois, bien sûr, savoir si la voilà. madeleine était trop sucrée ou pas, quoi, Voilà, c'est ça. la couleur des pantoufles, etc. C'est vrai que 25 ça porte pages un sur le regard, est-ce qu'elle m'a regardé comme ça ou comme peu. ça? Bon, ok. Oui, ok. Si tu veux, c'est bien d'avoir le temps pour ce genre de choses. Exactement. Mais oui. Mais c'est vrai qu'avec une belle prose, c'est Ah vrai non, qu'il y a un mais style immense Proust, il y écrivain, a. c'est Voilà, sûr. c'est. Grand admirateur de l'action française, Proust, à l'époque. Et puis attends, on parle Surprenant, d'une mais c'est comme génération. ça. On parle de gens qui. Le mec décide de créer une œuvre en s'enfermant 10 ou 15 ans dans sa baraque. C'est là. Oui, Là, on voilà, parle de c'est. vrai travail, là. Attention, il faut du Oui, respect pour ça. effectivement, il a énormément travaillé, il avait l'intelligence qu'il est avec, et il y a un style Proust, comme il y a un style Céline, c'est indéniable, Faut le reconnaître. faut le reconnaître, oui. Mais très bien, on va rentrer dans l'intimité de tes œuvres dans la deuxième partie. On va faire une petite pause pour se reposer. Restez avec nous. Thank you.
deuxième partie de Vive l'Europe, toujours avec Ludovic. Salut. On va parler maintenant de tes bouquins. Alors, notamment un qui m'a particulièrement plu, en fait, c'est Les Contes de la Déprime, dans lequel tu as écrit une dizaine de nouvelles, non, c'est des contes, assez courts parfois, une page ou deux. Et je vais te demander quel a été le moteur, en fait, comment tu as commencé à écrire ça, parce que c'est plus très à la mode, ça, en fait, aujourd'hui. On écrit plus trop de contes. Mais ça rejoint un petit peu ce que je racontais par rapport à mes débuts dans la littérature. J'ai écrit quand j'avais 20-21 ans quelque chose que je serais plus jamais capable d'écrire en ingé. Et c'était vraiment bien. J'étais bourré d'héroïne et d'alcool. J'ai vomi dessus. Le truc a été foutu. Et j'avais intitulé ça Les Contes de la Déprime. Donc j'ai voulu Le garder le concept, en titre, fait, le ouais. concept. Voilà, ça, j'ai deux titres que j'ai à cœur. C'est celui-ci, Les Contes de la Déprime. Et aussi Le Caméléon daltonien. J'avais trouvé cette façon d'être. Il me ressemble un petit peu dans la vie. Il ressemble à un certain nombre d'artistes. Pour moi, la définition d'artiste, c'est un caméléon daltonien. C'est quelqu'un qui se pose sur du rouge, qui croit être rouge, qui aimerait appartenir, qui se retrouve vert et il voudrait ne pas être vu, on ne voit que lui, un peu malgré lui. Et si tu veux faire de la littérature, mais on peut dire aussi de la bonne photographie, de la peinture, de la sculpture, si tu restitues la réalité telle qu'elle est, quel intérêt, quoi? Je vais décrire cette chaise blanche et rouge, je vais la décrire telle que tu la vois, il suffit de la regarder, aucun intérêt. C'est l'œil malade du créateur qui est intéressante, c'est cette folie légère ou parfois grave, quand tu vois des gens comme Mallarmé, qui fait la littérature, selon moi. Donc, Le Caméléon daltonien, je réécrirai aussi ces deux choses que j'ai fichues en l'air dans mon autodestruction, dans ma connerie d'ado. Donc, j'ai simplement repris pour le titre, c'est là. C'est ça. Ensuite, j'ai aimé une femme qui avait le cancer, qui était malade, qui était à distance. Dès le début, en fait, elle avait le cancer dès le début de vos amours? Non, quelques mois après. D'accord, ok. On Pas s'est eu de chance, aimé, ouais. on s'est aimé, puis quelques mois. Ça devait être 5-6 mois après. Elle va faire des examens, elle a appris qu'elle a le cancer. Tac, elle me prévient tout de suite et tout. On a guéri ensemble du premier cancer. J'étais là, comme ça. Moi, j'étais sur un lit. Puis je passais 8-9 heures par jour, parfois même 12, sur un lit. Et je discutais avec elle en webcam toute la journée. Elle faisait sa chimio à domicile et pendant ce temps-là, on ne se voyait pas. Ce qui a fait que cette femme et moi, on se connaissait mieux qu'un mari ou une femme toute une vie, qu'un père à son enfant. Parce que qui a l'occasion de parler 12 ou 13 heures de soi, tu vois, sur des mois et des mois et des mois. Ensuite, on s'est retrouvé à un moment et puis elle a eu un deuxième cancer. Et quand elle a perdu ses cheveux, elle avait été très courageuse, elle s'est montrée à la terre entière. Sauf un homme, l'homme qu'elle aimait, et c'était moi. Et tout d'un coup, j'avais plus de nouvelles, et j'étais inquiet. Donc, j'avais envoyé un mail pour lui dire que j'écrivais un blog, et puis j'avais écrit ce blog, le Caméléon daltonien, et je lui racontais une petite histoire tous les jours. Effectivement, ça pouvait être une ou deux pages, ça pouvait être une dizaine de pages. Je ne savais pas si elle le lisait ou pas, mais par amour, je le faisais. C'est assez beau, en fait, une espèce de cadeau quotidien comme ça, une nouvelle histoire. Dans cette période de ma vie, j'étais assez beau. Et tu as su Tu vois, si finalement elle a su, elle a vu ces. j'ai su après qu'elle avait su, et puis qu'elle était complètement accro à ce truc, qu'elle le lisait. Quand j'écrivais pas, je lui mettais une chanson, une vidéo ou une chose comme ça. Mais voilà, j'étais vraiment amoureux d'une femme qui m'était chère, était vraiment amoureuse de moi, et elle était en grande difficulté. Moi, je savais, j'avais pas, j'étais sûr qu'elle allait guérir. Elle est morte quelques mois plus tard, et j'ai écrit ces petites, d'où les contes de la déprime, parce que bon, c'est un petit côté déprimant, même si en même temps ça C'est sûr, élève. Je crois que quand on a aimé vraiment dans sa vie, quand on a volé très haut, tu vois, on est en dehors de l'atmosphère et on redescend jamais tout à fait.
on reste en... Donc on va jamais mal, on chute pas, on reste en apesanteur, c'est comme neutre. Ça tout le temps, tu vois, c'est... T'es plus vraiment malheureux. J'ai eu énormément de chance de vivre cette histoire d'amour. Voilà, c'est. Et je suis encore très ouvert à l'amour et j'en veux encore, quoi. J'en veux encore. Maintenant que j'ai connu, quoi, j'en veux encore. Mais. Et puis le temps a passé, il a fait son travail, il n'y a plus de chagrin par rapport à ça. Mais la jeunesse de ces contes de la déprime, c'est ça, quoi. C'est la divine Monica Urban qui a. D'accord. Qui a croisé ma vie. Oui, c'est tellement biographique et important. En fait, tu as écrit ça pour divertir, en plus de la qualité littéraire propre qu'il peut y avoir. Mm-hmm. L'intention, ça a été divertir la femme que tu aimais chaque jour. Voilà, ouais. C'est un cadeau. Je ne savais pas si le colis arrivait à destination, mais c'est... Ouais, un peu comme une bouteille à la mer. Voilà, exactement. Alors, tu sous-titres Les Contes de la Déprime, douleur et réalité fictive. Alors, explique-moi ce qu'est une réalité fictive. Je ne sais pas ce que c'est, moi. Ben, c'est tu... Qu'est-ce que t'entends par là, quoi ? J'ai joué un petit peu sur cet oxymore pour dire que c'est aussi une affaire d'interprétation. C'est-à-dire qu'il y a la réalité crue. Tu vas regarder le soleil, il va être jaune. Mm-hmm. Et tu as une réalité sociale, particulièrement avec la manipulation des médias, d'ailleurs, et de l'enseignement national, où on va te mettre des lunettes bleues et ce soleil jaune, tu vas le voir vert. Mm. Et tu vas croire que la réalité, c'est celle-là. Mm. C'est celle-ci, cette réalité fixe, cette réalité fictive. D'accord. C'est le sens de ce sous-titre. Mm-hmm. Mm. Alors, ce que je voulais te demander sur l'idée de décrire des contes, est-ce que justement, il n'y a pas une subversion même dans le fait de faire des contes, parce que qui dit conte, dit morale. Et j'ai l'impression que dans cette société, la culture de gauche considère tout ce qui est... de l'ordre de la morale, comme quelque chose de mauvais. D'ailleurs, une œuvre doit ne pas avoir de sens, elle doit être interprétée de mille façons différentes. Alors finalement, mm-hmm. quand on écrit un conte, on donne un sens, l'auteur a son éthique, à son univers, et il ne laisse pas le choix en fait à l'auteur. Tu vois ce que je veux dire ? Tu as tout à fait raison. Il y a un principe de droite dans le fait de l'écriture du conte. Merci pour ça, parce que je l'avais pas vraiment en conscience. Je pense qu'effectivement, aujourd'hui, quand tu n'as pas de tatouage, que tu n'as pas des trous dans le nez énormes, ou que tu mets un costume, déjà... C'est normal, quoi. Voilà, t'es devenu le décident, c'est toi le véritable contestataire, véritablement qui est underground. Tu vois les mecs qui font du théâtre contemporain, souvent ils sont financés par Niel, par Bouygues, par des machins comme ça, ils ont des sponsors comme ça pour faire des choses qui sont soi-disant subversives, et on voit bien que si les mecs ont le pouvoir te financent, c'est que t'es pas subversif. Et effectivement, il y a une décadence des arts qui s'inscrit là-dedans. Moi, j'en suis persuadé, hein, et de l'éducation nationale, et de la famille et tout ça, et qu'évidemment, être réactionnaire, même si je ne suis pas entièrement réactionnaire, je n'arrive pas à devenir catholique. Par exemple, j'ai pas été élevé dans une famille catholique classique, etc. Je veux pas. C'est pas non plus ce que j'ai envie d'être. C'est Partout une nuée de commentaires, je me suis dit, attends, ce monsieur est monarchiste, mais il n'est pas catholique. Il va falloir que tu répondes. Je ne vais pas répondre à ta place, tu vas répondre en commentaire. Bah, Maurras était agnostique. Disons que je ne peux pas être un bon modèle. Tu vois, je suis un homme qui aime les femmes, je suis un homme qui n'est pas d'une morale exacerbée, sans être un voyou. Je suis quelqu'un qui aime bien qu'on lui foute la paix, etc. Mais j'aime profondément mon pays, j'aime profondément les miens. Et je suis pour la tradition. Maintenant, si vraiment l'Église redevenait obligatoire et que la plus grosse contrainte serait à la messe le dimanche matin, ce serait pas non plus catastrophique, tu vois, par rapport à l'enfer qu'on vit au niveau de l'oppression, des taxes, de la cohabitation avec des exogènes qui ont une praxis bien différente de la nôtre, avec tout ça, ce serait presque un soulagement. Et puis qui sait, j'ai été touché par la foi, je pourrais être touché par le dogme catholique un jour. Je crois en tout cas que c'est la bonne solution pour la France. Oui. Mmh. Bah, c'est un peu la démarche
par exemple du PNF, anciennement français, c'est-à-dire en fait un catholicisme politique. Ouais. Cette morale chrétienne a correspondu en fait à ce qu'a été la France, et ça a permis de, ça a fait la France dans toute sa beauté. Donc pourquoi ne pas continuer là-dessus finalement? Si c'est faisable, oui, en tout cas, ça reviendra pas en claquant des doigts. Il faut convaincre par. On peut plus non plus se permettre de convaincre par capillarité, de prendre du temps. Il faut faire sang dans un premier temps. L'essentiel, c'est de sauver notre peau et la peau de nos compatriotes. Parce qu'il y a quand même le génocide. Il y a quand même le génocide au bout de ça. Alors, soit par une guerre ethnique sur notre territoire, soit par notre dilution. Bien sûr. Tu vois, on disparaît parce qu'on est de moins en moins nombreux, on fait de moins en moins d'enfants. Mmh. Et les Africains et les Arabes sont de plus en plus nombreux. Et, le groupe ethnique voilà. Français disparaît. Même sans métissage. Oui. Voilà. Ou alors le métissage. Mais j'ai du mal à croire au métissage. Des fois, j'attends un copain ou une copine à la sortie du métro. Je vois plutôt des couples blancs ensemble, des couples musulmans ensemble. J'ai l'impression que les musulmans ne sont mélangés pas trop aux non-musulmans. C'est, en banlieue, peut-être. En banlieue, de temps en temps, effectivement. Il y a du métissage, mais ce n'est pas ce qui menace le plus l'intégrité du gène européen. Voilà. Je crois que les Maghrébins, comme les Africains, comme les Asiatiques, plus encore que nous tous, et les Blancs, instinctivement, ne répondent pas à ce métissage politique manipulateur, ce métissage obligatoire, cette propagande forte. Il est vrai que en rapport au matraquage et à la propagande métissolâtre, bah oui. Le métissage est un échec. On devrait déjà tous être des Yannick Noir. Ouais, c'est ça, au secours, mais bon, après, tu vas dire que ça fait quelques décennies, mais on a quand même beaucoup d'Européens qui veulent rester Européens, voilà. Même s'ils ne vont pas le déclarer, ils ne vont pas être politiquement engagés. Et d'Arabes qui veulent rester Arabes aussi. Ah oui, ça, énormément. D'autant plus, ils deviennent aussi de plus en plus identitaires de leur côté. Oui, c'est vrai. Donc, eux aussi ne sont pas dupes de cette propagande, eux aussi la refusent, et il y a un salut qui peut passer par là d'ailleurs aussi, hein, s'ils avaient un islam conquérant mais qui soit en même temps organisé, etc., ils n'auraient juste qu'à faire semblant d'être laïcs, d'avoir les cheveux défaits, de voter à gauche et de laisser faire le temps. Victoire assurée. Ils ont un repli communautaire parce qu'ils vivent mal la chose aussi. Ils savent très bien que ça, ils savent ou ils sentent très bien que ça peut pas correspondre tout à fait à leurs attentes et qu'ils sont mieux sur une sur le dar à l'islam, voilà, sur une terre d'islam. Voilà. L'exemple que je donne tout le temps est le suivant. Je suis comme malgré tout assez vieux, là j'ai 31 ans, pour avoir connu la période où ça a été la mode, dans 2000-2005, beaucoup de jeunes femmes blanches sortaient avec des maghrébins. Eh bien, cette étape est révolue. Vous verrez que des couples femmes blanches maghrébins, vous n'en verrez pas tant que ça en France. Parce que des deux côtés, aussi bien dans la communauté musulmane que dans la communauté française européenne de souche, on se rend compte que ça marchait pas. Et moi, quand j'habitais à Grenoble, je fréquentais pas mal de d'Arabes, quoi, ou de Maghrébins, et ils avaient essayé avec des blanches, qui n'étaient pas aussi bonnes musulmanes que leurs Algériennes et leurs Marocaines, parce que fondamentalement, la blanche n'a pas envie de vivre voilée, elle n'a pas envie de vivre comme ça. Voilà, c'est tout, ça ne marche pas dans les faits. Donc ça devient une souffrance pour ce matou aussi qui se tourne vers quelqu'un pour qui c'est plus facile, avec qui ça marche naturellement. Ça finit tout simplement en divorce. Voilà quoi. Exactement. Ça peut donner une étincelle d'espoir, genre de choses. C'est vrai. Alors, dans une autre de tes créations, Un sou d'amour, qui est une pièce de théâtre, tu écris une phrase que j'ai beaucoup aimée. À un moment donné, un de tes personnages, je ne me souviens plus lequel, dit « C'est un monde de salauds, ne lui accorde pas le pouvoir de te détruire, prends soin de toi pour ne pas lui accorder la joie de ta déchéance. » J'ai bien aimé cet enchaînement phrase, la joie de ta déchéance. Mmh. Et c'est vrai que je trouve qu'on a beaucoup de gens déprimés un peu dans nos sphères. Oui. C'est un message, c'est presque un message à eux, j'ai eu le sentiment de se dire que tout nous pousse à déprimer, mais c'est encore leur faire un cadeau que d'accepter cela. Tu vois. Oui, c'est comme lorsque tu agressais, si tu fais le cadeau à ton agresseur de vivre dans la peur, de continuer post-mortem, post-agression, de...
tu vois, s'il a encore du pouvoir à te faire du mal par la suite, etc., c'est un peu dommage. Et à d'autres, mais à moi-même aussi, parce qu'il y a des moments, il y a des moments. C'est auto-prescriptif aussi. Hein. La bouffe est tellement chère, le logement tellement cher, les déplacements tellement chers, faut tellement travailler pour gagner, pour avoir un petit peu d'argent, c'est une vie tellement taxé avec plein de petites lois rébarbatives, avec des flics, je suis désolé pour ceux qui les soutiennent, mais qui emmerdent le monde, qui emmerdent les automobilistes, qui... Des fois, on se demande s'ils vont pas finir lynchés par une foule de braves gens excédés, tellement ils deviennent insupportables et laxistes avec les racailles. On vit dans ces petites oppressions enchaînées qui finissent par devenir une grosse oppression. Et puis, il y a ces conflits interethniques, il y a ce devenir, il y a ce projet malsain visant de l'Europe. C'est finir dur avec l'Europe. d'être un écrivain léger quand on habite à Paris. Hein. Non, bah oui, effectivement, tu vois, c'est. Tu vois, quand j'ai eu des drames dans la vie ou dans la situation actuelle, j'ai cette capacité à devenir très superficiel, à savoir être joyeux, à me foutre de tout, à être un candide, à être dans un espoir fou, dans une chose comme ça. Mais c'est aussi ce qui me fait tenir le coup. Et puis, de temps en temps, on sait jamais, il y a de bonnes nouvelles qui tombent aussi. Hein. La réalité n'est pas que sordide et n'est pas que ça, quoi. Quand on me dit sois réaliste, on me dit généralement sois pessimiste. Les bonnes nouvelles font partie de la vie. Je venais d'un petit bled du Pas-de-Calais, j'aurais jamais dû avoir des diplômes, écrire des pièces de théâtre, sortir des bouquins, rencontrer les gens que j'ai pu rencontrer dans la vie, avoir les histoires d'amour que j'ai pu avoir. J'étais pas. Il y a des choses que je suis allé chercher, mais il y en a d'autres qui me sont tombées dessus comme ça, vraiment. Le réalisme, c'est aussi intégrer. La partie inattendue, les bonnes surprises, elles font partie de la réalité aussi, heureusement, hein. Arrête-moi si je me trompe, corrige-moi s'il le faut. J'ai retenu de Un sou d'amour. Le message pour moi d'Un sou d'amour, c'est qu'on ne s'élève pas socialement dans ce monde hein, sans se salir. Est-ce que je me trompe? Oui, c'est tout à fait ça. En fait, c'est une parodie de la maire de Paris. Que, à titre personnel, je trouve odieuse dans sa politique, qui fait vivre un calvaire aux Parisiens avec les automobiles, avec les taxes, avec les financements, les financements à l'islam, au judaïsme et tout ça, et toujours ce truc de culpabilisation, de tout. En fait, c'est une ville riche, une ville où les gens devraient bien vivre. Les gens n'ont pas voté pour elle directement, mais ils ont voté pour les gens qui ont fait venir un Hidalgo. Ils ont voté pour leur calvaire. Pas tous, pas moi, j'étais sur une liste FN dans le 16e. Mais bon, enfin voilà, j'ai voulu parler un petit peu de ces de cynisme en politique, de ces gens qui sont toujours dans des trucs de corporatisme, de magouille, de tout ça, qui font passer par des bonnes intentions, tu vois. C'est pour l'écologie qu'on pique un maximum de pognon aux gens. Tu vois, il y a toujours un bon prétexte. C'est pour le vivre ensemble et la paix dans le monde. Qu'on fait venir des populations autres, qu'on vide des pays et qu'on remplit et qu'on sature le nôtre. En fait, ce sont pour des intérêts financiers, tout simplement, pour avoir des mégapoles, pour créer des bidonvilles en Il y a Europe. toujours des bonnes raisons de nous empoisonner Voilà, l'existence. voilà. Ils se trouvent toujours un prétexte vertueux, ils se posent toujours en vertueux, alors que ce sont pour les moi soit des irresponsables ou soit pour les plus intelligents d'immondes salopards. Parce que Criminel. tu vois, des fois on peut avoir un geste de colère, on peut foutre une patate comme ça à quelqu'un parce qu'on est en colère, machin, etc. Mais ou d'autres fois aussi, cette haine froide sur des décennies, C'est du cette volonté de nous calcul. détruire, c'est du calcul. Il faut être sacrément mauvais, il faut être fondamentalement mauvais pour avoir cette haine silencieuse, cette haine calme, quoi. Préparer, calcul, comme Jolie tu dis, formule, hein. haine calme. Oui. Quand je vois Attali, je me dis c'est de la haine calme. Exactement, c'est C'est-à-dire qu'en ça. fait, voilà, c'est C'est de la haine en calme. slow motion, il nous Bon, encule, quoi. C'est bon, Shlomo ça. Oui, alors, ce que je voulais dire par là, c'est que plus généralement, est-ce que tu as le sentiment que, en fait, dans cette société, j'ai l'impression qu'il y a deux tartines de merde à choisir. Soit on s'élève socialement, mais alors on est obligé de prendre vraiment sur soi, par exemple, pour ne pas dire ce qu'on pense, donc on est dans l'aigreur. Soit on est dans la pauvreté, on est pauvre mais on est libre. Oui. Orwell le dit déjà un peu dans 1984.
dans 1984. Et puis c'est et puis ça pose un ça pose un énorme choix cornélien, c'est que comment j'élève mon fils, tu élèves ta fille, Daniel. Ouais, ouais. Tu vois, est-ce qu'on leur apprend pour s'en sortir dans ce monde à être canaille, être salopard pour avoir la place de cadre de salopard, ou est-ce qu'on les élève dans la vertu de celui et donc de celui qui va prendre des coups, et qui va vivre dans la pauvreté. Et donc c'est pas simple, hein. C'est pas simple, gamin, t'as pas spécialement envie qu'il meure de faim ou qu'il aille mourir au combat à ta place ou des choses comme ça. C'est pas c'est pas simple au niveau éthique, tout ça. Je crois que on a sacrément dégringolé en France quand on a arrêté de se faire du souci pour nos enfants, quoi. Là, faut vraiment jamais les générations au-dessus des nôtres n'auraient dû nous laisser dans une société dans un tel état, n'auraient pas dû même si les pièges étaient subtils et jamais nous et je m'y inclus n'aurions dû laisser faire une chose pareille. Pour moi, c'est ça la tradition, ce n'est pas autre chose, c'est construire sa vie en pensant à celle de ses enfants. Et pendant plusieurs décennies en France, c'est le contraire qui a été fait, et on en arrive à ça. On a été dégueulasse de confort et d'individualisme, et j'ai parlé de ça aussi dans une vidéo avec Kevin, que le confort et l'égoïsme français avaient dû... Et je n'y échappe pas toujours, hein. Franchement, je n'y échappe pas toujours, je ne me pose pas en modèle de quoi que ce soit, vraiment, j'essaie de remédier à la chose quand même. C'est que, quand même, c'est, notre égoïsme a beaucoup nui, hein. C'est, si on parle des bouc*** en banlieue, si c'est hors de Je me fais un signe à moi pour dire tu vis pas. Oui. Voilà, c'est pépites colorées. Oui. Voilà, de banlieue. C'est chance pour l'univers. Voilà. Ces êtres extraordinaires venus de d'une autre mère. Voilà. Bon, ils sont quand même ils ont pas la frousse. Quand il y a la FRTO, ils étaient des milliers devant Bobigny. Si on, avec le nombre qu'on est, si les Français avaient eu ou auraient actuellement cette solidarité, mais le rapport de force serait encore largement en notre faveur. Il y a un tas de choses qui seraient pas possibles. Ils pourraient pas se comporter comme ça. Mmh. Et les gens qui ont le pouvoir, s'ils sentaient un peuple qui les mette vraiment en danger, ils freineraient un peu leurs ardeurs quand même. C'est tu vois, important ce que tu dis, tu fais une autocritique générationnelle. Tu dis, voilà, les gens qui sont nés dans les années 50, 60, 70, à un moment donné, le boulot n'a pas été fait. Non. Aussi bien dans les votes que dans la façon de se comporter pour réagir tout de suite. Alors, des faiseurs d'opinion, des spin doctors très malins, il faut bien reconnaître. L'immigration était aussi très rapide. Voilà, deux guerres mondiales absolument atroces. Ouais. L'immigration qui a été rapide et qui a été vendue, comme toujours, comme la Révolution française d'ailleurs, sur un bon sentiment. Mmh. Tu sais qu'il y a beaucoup de prêtres, dont un de mes ancêtres assez célèbre, qui était pour et de nobles, qui étaient pour la Révolution française, parce que c'était plus juste, parce que les gens allaient mieux vivre. Ils appelaient ça les idées neuves, les belles idées. Et ils ne savaient pas que derrière, il allait y avoir le génocide vendéen, qu'il allait y avoir cette fausse démocratie bourgeoise, qu'il allait y avoir tout ça. Et, ceux qui ont participé à ça. C'est intéressant ce que tu dis. Je l'ignorais plus ou moins. C'est-à-dire que il y avait quand même des inégalités, même, évidemment, du temps de la monarchie. Et certains chrétiens, même certains prêtres, se disaient, c'est pas mal finalement. C'était des prêtres catholiques, ouais, donc, oui. Tu vois, qui dans le dogme, dans le dogme du Christ, quoi, donc un truc légionnaire finalement correspond un peu à cette égalité qu'on veut voir. Bien sûr, un jour j'ai eu un débat, j'ai coupé le bec d'un intellectuel de gauche qui s'appelle Marcel Gaucher, c'était à Juvisy-sur-Orge. Tout le monde est de gauche, il s'appelle Marcel Gaucher. ouais. Marcel Gaucher, ça aurait été l'apogée du nouveau, mais déjà Marcel Gaucher, c'est pas mal. Et il dit par contre un truc juste, c'est que le catholicisme est la religion qui permet la sortie de religion, parce qu'il y a le doute christique, parce qu'il y a pas les interdits qu'on trouve dans le judaïsme et l'islam, parce que il y a des notions de libre arbitre beaucoup plus fortes que dans d'autres dogmes.
Et effectivement, le message du Christ est quand même, c'est la seule religion qui parle d'amour. Les gauchistes disent en parlant d'islam, religion de paix et d'amour. C'est pas vrai, quand on lit le Coran, je les lis, il peut y avoir des passages relativement doux. Par contre, oui, c'est vrai, ce n'est pas que, ce n'est pas non plus Et qu'un ce livre de n'est pas guerre. l'horizon. Mais c'est pas l'horizon, ça parle pas d'amour. La seule religion, le judaïsme, pas plus. D'ailleurs, les gens critiquent beaucoup l'islam, mais l'Allahra et la charia sont très très proches. Hein, les initiateurs de la lapidation, de la maison de l'impureté, de tout ça, c'est le judaïsme, quoi. L'islam a été Tu vois que c'était largement pratiqué sur inspiré. le dans les communautés juives. Bien bien avant, ouais, bien avant le Bah, de toute 7e façon, siècle, bien avant l'islam, l'islam, ouais, voilà. Il y a beaucoup de choses qui viennent du judaïsme, c'est beaucoup moins connu, les gens savent beaucoup moins, mais tu vois, C'est peut-être parce qu'ils ne pratiquent plus aujourd'hui. Aujourd'hui, en Israël, t'as pas une femme qui va se faire lapider. C'est pour ça que. Non, mais à Jérusalem, t'as des tribunaux rabbiniques où la femme a systématiquement tort quand même, hein, tu Oui, vois, c'est c'est vrai, c'est vrai. En tout cas, oui, il y a une séparation pendant certains bus. Les femmes ont, voilà, Voilà, ont leur propre imagine ça en côté. France. Oui, c'est assez Tu dingue. vois, ils sortraient Ouais. Rosa machin là. C'est peu connu, effectivement. C'est très, on le sait pas On trop. connaît beaucoup moins cette religion, et Ouais. puis elle est très cachée, mais Il faut dire aussi c'est qu'elle est beaucoup textuellement d'inspiration. plus dure à connaître, parce que pour lire le Talmud en entier, il faut se lever de bonne heure. Oui. Hein. Le futur Talmud, etc. Ouais. Puis il faut. Et puis c'est chiant, hein. Je veux dire, voilà quoi. Voilà, puis comme ça, d'instinct, on n'a pas non plus forcément envie de se cultiver à la religion, à la langue d'autrui et On n'a pas tout. envie de le savoir finalement. Je l'ai fait dans un premier temps pour l'islam, par l'intermédiaire d'Anne-Marie Delcambre, Ouais. etc. Je l'ai fait un petit peu par le judaïsme, je l'ai fait tout autant par le judaïsme ensuite, pour comprendre, parce que je me suis rendu compte que c'était incontournable. Mais je comprends que le français de base n'ait pas envie de se faire chier avec ça, mais bon, c'est sûr qu'il apprendrait beaucoup. Et puis, mais effectivement, oui, c'est rédhibitoire. Et puis, c'est vraiment des gens qui coupent les cheveux en quatre. C'est des fois des enterrements. Tu n'as pas le droit de t'asseoir, sauf cas particulier. C'est à 13 cm du sol, machin et tout. Enfin, tout est autonormé, tout est prise de tête, tout est au secours, quoi. Fou. Pas de ça dans ma vie, Une quoi. Tu vois, intelligence c'est. casuistique qui Voilà. que j'appelle l'enculage de mouche et qui peut rendre Exactement. fou un goy, mais effectivement. Oui. Ça t'emmêle le cerveau. Alors, tu as écrit un ouvrage de science-fiction qui est un peu ton ouvrage majeur. Attends, c'est quoi? C'est 2,67, c'est ça? 2,68,07. 2,68,07. Est-ce que tu veux nous parler un peu de ce livre? Quelle en est l'idée motrice? Eh bien, Quel est le pitch? j'avais envie d'écrire sur la situation actuelle et sans en ayant la possibilité d'être édité. Donc, j'ai voulu passer par la fiction. Donc, j'ai décrit notre époque, mais j'ai pris du 2B, j'ai pris du gras et j'ai grossi le trait du politiquement correct et le trait du mondialisme pour montrer quelle serait la conséquence d'une société où la mondialisation, le monde marchand aurait entièrement gagné. Il n'y aurait plus de frontières, il n'y aurait plus de peuple, il n'y aurait plus de langue, il n'y aurait plus de religion, tout ce qui est un frein au commerce, ok, c'est viré, la France devient Coca-Cola Land, etc. Tout n'est plus que commerce et tout ne fonctionne plus que par commerce. Et ça donne trois sociétés très malheureuses. La société des privilégiés, qui ont encore des noms, qui se font construire des avions en diamant, qui sont absolument capricieux, qui sont insupportables, qui ont tout ce qu'ils veulent tout le temps, qui sont très déprimés pour ça, ils n'ont aucun but dans la vie, ils n'ont rien du tout, ils ont un pouvoir absolu dont ils font n'importe quoi parce qu'il n'y a plus rien à en faire. Et il y a les consommateurs, c'est-à-dire nous actuellement, on pourrait dire, hein, pour parler un petit peu vrai, qui sont des gens qui travaillent énormément pour pas grand-chose, avec la hantise de devenir des exclus. Et donc, tu as donc les exclus à la fin, qui sont des gens qui vivent parmi les rats, les détritus, et sans plus aucun droit, plus aucune règle. Et donc, c'est la violence du plus fort. C'est celui qui frappe le plus fort, qui tue le plus vite, qui survit dans cet univers. Personne ne survit bien longtemps là-dedans. C'est pas le modèle de société à proposer. Ma société spartiate, je suis pas pour, quoi. Je suis pas pour que ce soit le bœuf dégénéré qui a une grande gueule, qui est complètement abruti et qui est d'une violence inouïe, qui régisse la cité. Ça me semblerait absolument insupportable.
Oui. La loi est très très importante. Déjà avec le sous le sous, sous, sous le francilien, avec les premières ébauches de droit autre que la loi du talion, c'est-à-dire la vengeance, Oui. on a élaboré quelque chose qui permet de réparer, de ne pas rester dans le ressentiment. Le droit est une science qui régit les différents rapports humains dans une société. Et c'est tout à fait primordial pour pas périr, Oui. pour avoir des sociétés où on peut être heureux. C'est quand même le but. D'accord. Alors, dans ce livre, évidemment, donc on pourrait dire que c'est pas dans un futur proche, évidemment, c'est dans le futur, mais Oui. dans pas si longtemps que ça, d'une certaine manière, Non, non, vu non, le rythme auquel c'est... ça va. Alors, bon, l'immigration est un grand danger, mais moi, ce que j'ai retenu de ce livre, c'est vraiment la sensation d'une France et de Français en voie de déshumanisation, voire totalement déshumanisés. Et moi, je voulais te dire, par rapport à ta vie, tu as un peu plus de 40 ans, est-ce que tu as vu ce processus de déshumanisation de tes yeux? Oui. Tu l'as ressenti? Comment tu Oui. le... Oui, je suis né en 69, donc mes 68 a mis du temps un petit peu quand même Oui, bien sûr. ça n'a pas été un choc brutal et un changement de mœurs radical. Ça s'est décomposé au fil des décennies pour arriver jusque maintenant, ce qui est pas loin du paroxysme, à mon avis. J'ai encore vu des trucs où on se battait un contre un dans la cour d'école, par exemple, où on respectait les filles, où on respectait la police, où il y avait encore des choses comme ça, Des codes des moraux. codes, voilà, de l'ordre de la règle non écrite, de la façon de fonctionner, où il y avait encore des notions d'honneur, de travail. Quand j'étais gamin, j'avais piqué des fruits, je m'étais fait gauler, j'avais été ramené par un camion de flic. Toutes les mères dans ce petit quartier, j'étais devenu infréquentable, je n'avais plus le droit de leur parler. Tu vois, des choses. Et moi, ça m'a donné honte, ça m'a remis un peu dans le C'est droit chemin, tu formateur. vois. Ouais. Alors que maintenant, c'est complètement anecdotique, et quelqu'un qui fait un acte de voyou passerait, tu vois, aurait un côté rebelle, rock'n'roll, héroïque. Ouais. Ça a changé quand même. Il y a eu des trucs comme ça. La littérature, les émissions de télévision étaient quand même plus de qualité. Ouais. À l'école, l'enseignement était quand même mieux, même si ça était déjà dégradé par rapport aux générations précédentes. Il y avait peu d'immigrés. Mais je crois qu'il n'y avait pas besoin de lutter contre le racisme, parce que le français n'était pas raciste, sauf de façon anecdotique, quoi. Voilà, à la limite, un type pouvait entendre bougnoule comme on entend gros porc, ou comme on entend pédale, quoi. C'est des choses qui blessent, et alors, t'es blessé, tu fais avec, etc. C'est pas... Il n'y avait pas, ouais, cette scandalisation. T'es pas Oui, scandalisé. non, non, non. On trouvait ça inélégant, mal poli, etc. Et puis... Ouais. On passait son chemin, il n'y avait pas. On Il y faisait pas avait une crise. Ouais. non voilà c'était pas il n'y avait pas eu l'instrumentalisation de ça de tous les rapports étaient assez humains. Puis de toute façon, quand tu lis Les Faits divers, tu vois, ce F de Souge, j'ai commencé à écrire en commentaire dessus à ses tout débuts et tout, parce que j'avais pris conscience de ce problème de délinquance. En 30 ans, moi je n'ai jamais vu un Français de souche qui a fait sauter la tête d'un arabe à la scie sauteuse, à part sur Facebook en commentaire ou des machins comme ça. Les gens ont une grande gueule, se vantent beaucoup, etc. Mais ils n'ont En jamais rien réalité, fait. ça n'est pas arrivé. C'est pas arrivé, Ouais. c'est pas arrivé. Je crois pas que ça va arriver comme ça. Voilà, ce truc-là n'a vraiment aucun fondement. Il y a juste eu en tête de cortège des Arabes qui avaient été balancés dans la Seine à une Ah époque, oui. ils Mais ça a savaient été ils savaient pas nager, ils très-instrumentalisé. savaient pas Mais ça a nager, été enfin prouvé qu'ils voilà, ont joué au ouais. sein des... Oui. Oui, ils étaient L'acte principal, c'est les jeter à la Seine. Après, la volonté de tuer est à ouais, chercher. voilà. Voilà. Et puis une échelle, ça tue combien de gens par personne? Donc Et puis, encore une fois, si on ne cite que ça, c'est que Oui. c'est ce qui est arrivé de pire. Et Tu finalement, en te rends 40 ans compte? d'immigration, je suis désolé, mais si on compare aux attentats, à la délinquance ordinaire, au viol Mais en bien banlieue, sûr. ce n'est rien, en fait. C'est rien. Ouais. Mais je serais curieux de savoir combien de Français de souche, d'Européens de souche, sont Ouais. morts par les faits divers dans les 30 dernières années.
Tu vois, le chiffre que ça peut faire par rapport à trois malheureux qui ont été jetés dans la Seine, ou alors à un étudiant arabe qui était asthmatique et qui avait pris un coup de matraque rue Charonne. Ça. Voilà, il s'est passé que ça. Et les faiseurs d'opinion de la télé qui n'ont, Oui. sous fond socialiste, qui n'ont jamais oublié d'être Qui dégueulasses, grossissent. font de notre pays un pays ignoblement Bien sûr. raciste, quoi. Mais tu te fous de la gueule de qui, Mais quoi? quand on Tu voit vois, c'est... que même vous prenez les affaires de profanation de sépulture, en fait, à chaque fois que ça éclate, on se rend compte que c'est faux. Tu te rends compte Carpentras, quand même, Ouais, la Carpent, volonté qu'il y ouais. a eu de diaboliser le FN, alors que finalement, il n'avait rien à voir avec ça. C'est quand même incroyable, quoi. Ouais, Mitterrand était un beau salaud, hein. Les gens autour Et aussi. dans les rapports humains, c'est ça qui m'intéresse. Est-ce que tu, parce que à ma petite échelle, moi, je l'ai vu. Est-ce que tu as l'impression qu'il y a plus de superficialité dans les rapports ou, enfin, ma question est un peu orientée. Si tu trouves pas, tu peux dire Ouais. non. Mais Si, 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 parce que je crois que les gens ressemblent de plus en plus à mon roman, c'est-à-dire qu'on est ouais. de plus en plus gavé de malbouffe, intériorisé, avec une vie sur Internet, de plus en plus coupé, Narcissique, voilà, tu vois. ouais. Et c'est même pas une guerre des égos contre les égos, comme dirait l'autre. C'est un repli des égos, c'est un enfermement. Et le confort, c'est plus pratique. C'est vrai que c'est plus sympa que d'aller dehors, avoir froid, ou être mouillé quand il pleut, de se prendre des coups de poing dans la gueule en affrontant une situation, etc. C'est le confort, tu vois, le confort, tu vois, je pense que vraiment, oui, il y a une... Et c'est insidieux tout ça, c'est même pas une bonne intention. Les Français, c'est pas dit je vais devenir individuellement un salaud égoïste qui laisse crever mon voisin dans l'indifférence la plus totale. Oui, Je crois que c'est petit à petit. petit à petit, il y a d'abord eu la télévision, il y a eu voilà. Et face à ça, j'ai l'impression que l'amour peut encore être une solution, l'amour simple entre un homme et une femme. Peut réussir à créer une bulle qui protège Moi, de cette sensation dans cet ouvrage, mais aussi dans d'autres. Ça revient souvent en fait chez toi. je crois vraiment que ça va faire très gauchiste ce que je vais dire, Non, hein. mais tu crois en l'amour. Mais je crois que l'amour peut sauver. Oui. Tu vois, je crois vraiment que l'amour peut durer plus de 3 ans. Bon, tant pis pour l'autre, là, pour Bec Bédé. Mais tous ces trucs, on fait des statistiques, il y a des trucs scientifiques qui disent que machin, etc. Même si ça peut se transformer, la passion peut s'éteindre. Je suis même pas sûr, je suis même pas sûr. La passion dure peut-être 3 ans, mais Mais l'amour, voilà, mais c'est autre l'amour, voilà, chose. c'est. Et puis c'est tellement beau, c'est tellement puissant, c'est tellement grand, ça te permet tellement de te dépasser. Ouais. Voilà, vraiment, ça te fait fondre les semelles de plomb, c'est facile, Ouais. ça humanise, et la famille, les enfants, etc., tout ça, c'est vraiment quelque chose. Tout ce qu'ils sont en train de casser, ce sont des choses belles et précieuses qu'on puisse plus s'acheter une maison, que le couple ne perdure plus, qu'il n'y ait plus de famille soudée, etc. C'est des choses qui apportaient quand même des joies, sécurité, bien-être, dont on se Oui. coupe. Quant à la fidélité, elle n'a jamais existé tout à fait, selon moi. Que je veux dire, on n'a pas attendu mai 68 pour être infidèle. Mais avant, il y avait ce que j'appelle une saine hypocrisie. Oui, c'est vrai. L'homme ou la femme, pour ne pas blesser les enfants, pour ne pas blesser son conjoint par amour, cachait la chose et prenait sur soi, et c'était très bien comme ça. Oui. Maintenant, aujourd'hui, il faudrait à la fois une honnêteté, tu Pour moi, vois, c'est viscérale. l'infidélité, c'est comme faire caca. On n'en parle pas, en fait. Oui, Ça se voilà. passe, Voilà. Ça se passe ou voilà. pas, Ça hein, mais passe c'est... ou pas, c'est pas une Ouais, obligation, mais enfin, voilà mais quoi. au moins, on préserve l'autre. Il y a toute une saine hypocrisie, comme ça, Tu as que raison je trouve d'associer indispensable. saint et hypocrite dans ce contexte, parce Oui. que, par exemple, quand j'étais plus jeune et que j'avais affaire à des anti-cathos, par exemple à la fac, ils me disaient oui, mais le catholicisme, c'est hypocrite. Et en fait, au bout d'un moment, j'ai réalisé que ce qui fait qu'on est dans des pays civilisés, c'est l'hypocrisie sociale. Ouais. Quand vous voyez quelqu'un que vous trouvez complètement idiot ou qui pue de la bouche, vous n'allez peut-être pas lui dire la première fois. C'est l'hypocrisie, c'est Bien vrai. Mais sûr. vous imaginez si à chaque fois on disait exactement ce qu'on pense, mais écoutez, ce serait la préhistoire en fait. Ce sera un monde infernal. Voilà, il n'y a rien de diabolique à parfois être hypocrite quand cela permet de soigner les cœurs et de faire que un couple dure ou autre. Oui, puis ça donne des gens agréables à côtoyer. Je veux dire, les gens qui tapent sur la gueule de tout le monde, qui disent tout ce qu'ils pensent, ils sont tout simplement odieux. Sont Quelqu'un criards de que. partout, on n'a pas envie de les Voilà. inviter. Ben non, mais bien sûr, pourquoi
Voilà, moi, quand je rencontre une femme qui me dit, oh, tu sais, moi, je dis tout ce que je pense, je me barre. Je pars dans l'autre sens en courant, quoi. Tu vois, je veux pas que tu me dises tout ce que tu penses. L'enfer. Et en plus, et généralement, en plus, comme par hasard, ce qu'elles pensent, c'est toujours de la merde, quoi. Tu sais, c'est toujours un truc, t'as envie de leur prendre la bouche et J'imagine, de leur laver avec c'est de l'eau de Javel, sûr. Ah quoi. ouais. Bon, je parle des femmes parce que c'est le cas qui m'intéresse le plus, mais ça peut être aussi dans des rapports amicaux entre hommes, etc. Moi, quand je tombe sur une grande gueule agressive qui veut toujours dominer, tu vois, qui fout le camp de ma vie, quoi. Autant en politique, l'authenticité, la sincérité est une qualité, en tout cas dans les discours, faut Bien livrer pour le sûr, bien. bien Autant dans sûr. la vie sociale, il faut avoir un minimum de dignité, Mais bien sûr, ouais. ça fait partie de l'éducation. Et l'éducation, c'est jamais qu'un pacte de non-agression. Oui. Je te serre la main, ça veut dire je ne te veux pas de mal. Je te dis merci, ça veut dire j'ai de la C'est gratitude, vrai. je te mets pas en colère. Au revoir. Ce sont des pactes de non-agression. Oui. C'est le vrai vivre ensemble, justement. Exactement. Et d'ailleurs, c'était au revoir, comme c'est beau. Oui. Au plaisir de se On va se revoir. revoir, Voilà, exactement, c'est c'est ça, vraiment tu beau vois, en c'est... fait. On oublie parfois le sens des choses qu'on dit tout le temps. Oui, c'est vrai, c'est Ouais. vrai, tiens, oui. Ouais. Donc, ce sont des rapports courtois. Alors, hein. Moi, je trouve pas que ce soit courageux de dire tout ce qu'on pense. Je pense que dire tout ce qu'on pense, c'est avoir une case en moins. C'est Ouais. savoir un frein qui s'est coupé, c'est... C'est la sociopathie presque. Voilà, c'est un style, c'est des gens très égoïstes. Tu vois, bon, là, c'est une interview, donc c'est un format un petit peu différent, mais tout à l'heure, nous avons discuté ensemble. Oui. Ça n'a pas été un monologue face à un monologue, ou alors carrément pire. Je vais pas citer certains sociologues de nos milieux, mais il y a des gens qui font que des monologues et des cours didactiques. Ils ne Ouais. parlent plus avec les gens. Tu vois, Et ils qui sont sont. incapables de parler. Tu peux pas parler avec eux. Oui. Ils te laissent pas en placer une. Ils s'en foutent de ce que tu dis. Ils sont là pour eux-mêmes. Ouais. Et c'est ce que je reproche un peu à la polémique aussi parfois, même si ça peut être le débat, la polémique, ça vaut pas la discussion pour moi. C'est Bah, c'est la première des philosophies, c'est la discussion, le voilà, dialogue cette dis socratique, voilà, pour exactement. aboutir à la vérité à deux, en fait. Une gymnastique Exactement, intellectuelle. voilà. Et je trouve ça beaucoup plus spontané, beaucoup plus vrai, mais aussi beaucoup plus enrichissant, beaucoup plus. Donc la politesse, elle sert à toutes ces choses-là. Et pour être un bon chef de clan nationaliste ou autre, ou un bon idéologue, je pense qu'il faut avoir ces qualités de générosité et de calme. Il ne faut C'est pas vrai. être un malade des nerfs Tu sais, tu vois, moi qui pète un je vais plomb pour la dire, moindre chose, quoi. off, Forisson me dit qu'il a rencontré Soral une fois et qu'il a été incapable de lui parler. Alors en fait, sur le papier, on se dit Forisson-Soral qui se rencontrent, ça doit être beau, on a envie de filmer ça. Mais en fait, il n'y a pas de Oui. dialogue parce qu'il y en a un qui est incapable de dialoguer, en fait, qui est trop centré sur ce qu'il dit lui-même. Et ça fait partie de la civilité Voilà. d'écouter l'autre, en fait, Mais simplement. c'est un énorme problème, quoi. Tu vois, Mais non, mais. c'est un énorme problème. Ouais. Alors que voilà, c'est une petite part d'humilité de dire que tiens. Et en plus, même si la personne face à soi était bête, avait rien d'intéressant à dire, c'est une politesse, c'est Oui, tout à un pacte fait. de non-agression. Et puis, ça doit être une grande souffrance de vivre en vase clos avec soi-même, quoi. Donc, je connaissais pas, évidemment, je faisais référence à lui. Donc, Oui. évidemment que Mais je c'était savais cet pas exemple cette récent, histoire. Ouais, qui est oui. vraiment qui m'a Et plein de choqué. gens m'ont dit ça. C'est-à-dire Oui. qu'ils m'ont dit, quand on rencontre ce type, il te sort un coup didactique, ou il fait un monologue, il n'y a pas de discussion, il y a quelque chose de cassé, de rompu, tu vois, il est en vase clos. Oui, c'est ça. Oui. Et t'es là pour lui, quoi. Tu peux pas être un Au sens strict, ça Mussolini, un m'a Louis dit, je XIV n'ai comme pas ça, pu tu lui parler. Imagine un peu, c'est. Tu te rends compte? C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de répondant entre ce que disait Robert et ce que lui répondait. Alors que s'il y a bien quelqu'un qui a quelque chose d'intéressant à dire, il me semble Certes, quand même que une c'est chose. Forisson, avec toutes ses recherches, avec son vécu, avec son courage, et Ouais. voilà, quoi. Et puis en plus, c'est un docteur de lettres Lui classiques, aussi. c'est pas inintéressant à entendre, quoi. Voilà. Pour en revenir à ton livre, bon, est-ce que tu qualifierais le livre de sombre quand même? Est-ce que tu es sombre quant à l'avenir? Quel est ton diagnostic? J'arrive pas à avoir d'avis définitif parce que je fais du déni de réalité quand même, Oui. de temps en temps, pour réussir à survivre. Et même assez souvent, je me réfugie dans le superficiel et tout, parce que de temps en temps, je me dis, ils ont voulu la fin de l'Europe, ce qui me n'est pas très malin de leur part du tout, du coup, parce que
qu'est-ce qu'ils feront du monde quand nous n'y serons plus? Tu vois, Question se pose. qui va inventer la carte à puce, qui va inventer le néon, l'électricité, l'automobile, qui va, tu vois, comment ils vont faire fonctionner ce monde comme ça, quoi? Si ce monde mondialisé veut une Europe de l'islam arabe, ça va faire quoi? Des Uber, des taxis et des kebabs et tout le reste. Cette société, comment ce monde fonctionnerait sans nous? Je suis pas sûr qu'il fonctionnerait bien. Et on a toujours dominé le monde, mais on l'a globalement, on l'a dominé de façon plutôt humaine. Si on avait voulu faire de vrais génocides, faut voir ce qu'était la puissance catholique, apostolique romaine, Mais oui, à mais l'époque c'est médiévale. ce que j'ai essayé de On l'aurait dire. fait. Quand j'ai interviewé Ils auraient été faits les de dieux. Lavier, j'ai essayé de lui dire ça. Et il a pas compris en fait ce que. Je lui dis, mais il y a une mansuétude dans le fait de pouvoir détruire et de ne pas le faire. Bien sûr. C'est un fait. C'est-à-dire que quand les conquistadors arrivent, ça pourrait être une destruction totale. Oui. Or, ce n'est pas arrivé. Non, Il c'est y a pas arrivé. toujours des Amérindiens, il y a toujours des Africains, il y Oui. a même toujours des Indiens. Il n'y a pas moins, mais il y en a. Il n'y a que les Cananéens qu'on trouve plus. Voilà, c'est Il n'y a plus ça. beaucoup d'Ukrainiens non plus. Oui, c'est vrai. Mais... C'est vrai. Voilà. Certains peuples ont Oui. tendance. Les Mais parmi les génocidaires. Blancs, par exemple, les Anglo-Saxons ont une tendance au génocide qui est plus importante que le français et le latin, par Oui, exemple. nous on convertit, Voilà. on convertit ou on laisse vivre. Oui, exactement. Taito, il flingue, ouais. Ouais. C'est vrai. Mais ils ont fait un. C'est fou au niveau guerre. Hein. Ils arrêtent jamais, les Américains. Ah bah oui, ils ont ça dans le C'est la sang. force de la propagande, quoi. En plus, ils se portent toujours en héros et en victimes. Ils arrivent à faire ça. Ça devrait faire 80 ans que. Ouais. 80 ans, pardon, que ça n'a Oui, bah pas. maintenant il y a des mèmes, ce qu'on appelle des mèmes internet, des images où on te met le nombre de guerres qu'ils ont provoquées par rapport à d'autres pays qui sont considérés comme Oui. belliqueux, comme l'Iran, qui attaquait personne, Bah mais non, alors non, non. que. Voilà quoi. La paire, c'est quand même. Ouais. Ah, Voilà. c'est autre chose, c'est sûr. C'est autre chose. Pour terminer, est-ce que tu as des projets littéraires à venir en stock? Tu es en train d'écrire en ce moment ou pas? Non, en ce moment, j'écris pas. Je Ouais. me suis trouvé un boulot. J'essaie de me sortir de la merde financièrement. Je suis fatigué de la pauvreté. J'en ai marre de ça. Et je m'investis pas non plus politiquement comme je le voudrais, parce que j'ai des nécessités matérielles. Et puis, ce livre que je crois important, c'est tellement peu vendu, les autres aussi d'ailleurs, que... Bon, c'est une question de promo aussi, hein, il faut. Je sais pas faire ça. Ouais. Je sais pas faire une page. Je sais même pas. Il faudra que tu Bah, m'apprennes comment on fait c'est des pour là que t'es vidéos là YouTube et aujourd'hui, tout, pour parce que là, ça. vraiment, c'est pas pour me donner un genre. Je sais pas le faire. Il faut vraiment que j'apprenne à faire une chose pareille. Et oui, j'aimerais ne faire qu'écrire et que de faire de la politique. D'accord. Pour l'instant, je vais me ressourcer un peu financièrement Oui, parce que puis. les dernières années ont été. C'est un être rationnel, on a tous besoin d'un minimum de confort et tu es en Bah recherche de ça. oui, puis j'ai besoin de beaucoup de confort, j'ai besoin de plein de pognon, j'ai besoin d'une vie de, tu vois, d'une vraie vie. Tu vois, le réalisme aussi, c'est que je commence à avoir un certain âge, et il faut que je gagne beaucoup d'argent en peu de temps, si je veux pas être un vieux qui se retrouve à l'hospice et qui bouffe des boîtes pour chiens, quoi. Tu Oui, bah vois, alors là, donc, c'est même pas du confort, c'est de la survie, attention. tu Il vois, faut bien c'est... faire les deux distinguo, hein, Oui, ouais. moi je Mais veux pas de ça. tu as raison aussi, là. Moi ce que j'aime chez toi c'est ta sincérité. Tu as raison de dire qu'il y a des trains de vie différents. Il y a des gens, enfin, il y a des gens qui n'aiment pas aller au resto, donc ils s'en fichent de ne pas pouvoir y aller. Et dans la d'autres, bah, ça leur fait plaisir de sortir, de boire des cafés en terrasse, etc. Et donc Mais ce oui. train de vie, bah, si tu le souhaites, c'est ton désir, bah, il faut une certaine somme d'argent pour le. Bien sûr. Ouais, c'est comme ça. Pour pouvoir voyager un peu, les déplacements valent très cher. Pour payer un loyer, c'est exorbitant. La nourriture vaut très cher maintenant. Donc les choses de base sont devenues très chères déjà. Et ça bloque pour le reste. Ça bloque. Pour ce qui est essentiel à mes yeux, c'est aussi quand même pouvoir se distraire, avoir une vie de qualité. Quoi, Oui, bien sûr. Bah, une vie de je, français ouais, une qui vie de mange bien, français. qui bouffe bien, qui boit bien, Tu te rends voilà. compte qu'avant, on nous appelait, non seulement on nous appelait le peuple le plus intelligent du monde, on disait que les Français étaient les meilleurs baiseurs du monde, et on parlait de la France aussi en disant que le pays où il fait bon vivre. Oui. Et ils ont cassé ça, quoi, tu vois. Ouais, c'est On vrai. était le pays où il faisait bon vivre. On était des mecs, tu vois, sympas, joviaux. Ouais.
C'était une chance de vivre en France, et au niveau des paysages, au niveau de quelques bandes de copains, ça le reste encore, hein. Et puis, ça s'est pas encore vraiment durci. Moi, je suis très sceptique sur Macron. Ah oui. Ah oui, vraiment. Je crois que, tu vois, autant Valls était grossier, était pas intelligent, autant Macron est plus intelligent, il est plus Oui, c'est vrai. commandité par Je suis d'accord avec Attali, toi. ça va être plus Il ne sera pas subtil. aussi impopulaire à la fin de son quinquennat que Hollande, je crois. Je sais pas du tout, Ça va ça être dur pour nous. Ça va être dur ouais. pour nous. Tu vois, il fait passer les choses avec, il fait passer les choses avec séduction. Valls, quand il disait les Juifs sont l'avant-garde de la République, il nous insultait directement, c'était des gros sabots. On a tous été contents qu'il se Macron fasse n'est pas éjecter aussi grossier partout. dans Voilà, sa. il est plus fin, plus vicieux, tout aussi mal intentionné et bien plus dangereux à mon avis. Surtout que là, ils arrivent à une phase, pardon, où les choses. Tu sais, pour qu'un projet puisse se réaliser, il ne peut pas rester toujours dans l'ombre. Et là, ils arrivent à un moment où ça doit devoir être affiché, être mis en lumière. Et donc, ça va devoir Ils faire. avaient Voilà. besoin finalement de quelqu'un de talentueux et qui présente bien comme Macron, qui va finir peut-être par vendre ce projet mondialiste Oui, voilà, définitivement. définitivement. Avec des choses qui font flipper, avec Jakubowicz qui a demandé à ce que les gens ayant été condamnés pour racisme et antisémitisme ne puissent plus se présenter. Donc, comme on sait qui condamne qui il veut, c'est grosso modo, ce sont ces... Avis, avis. Même pas le droit de dire non, finalement, non. Te rends Ça compte? va. Tu sais, c'est comme sous Lénine, l'antisémitisme était puni de mort, quoi. Alors quand j'entends l'Alicra qui demande des sanctions de plus en plus sévères, Oui, on se demande où ça va ça s'arrêter va s'arrêter. finalement. Et puis où c'est très flippant, c'est que derrière, tu as eu 30 millions d'Ukrainiens assassinés, quoi. Bien sûr. Donc plus ça se durcit au niveau de la répression contre l'antisémitisme, plus on se dit qu'ils vont flinguer derrière. Tu vois, quand même. T'as eu ce système URSS et puis t'as eu des idéologues qui ont fui aux États-Unis, qui étaient trotskistes dans un premier temps, qui se sont convertis au néo, des, qui se sont fait appeler au libéralisme, qui se sont fait appeler des néo-conservateurs, qui n'ont rien à voir avec des conservateurs, en plus, soit dit au passage, qui sont purement des libéraux et qui reproduisent peu ou prou les mêmes méthodes. Et tu vois, il faut pas agir différemment et s'attendre à des résultats différents. Moi, je pense que ce projet peut être très violent, très destructeur, une véritable haine de nous. Et puis, ils savent comment ça fonctionne et ça marche bien, quoi. Le communisme, c'est 100 millions de morts, quoi. C'est pas rien, quoi. Et ça a basculé à l'Ouest. Tu vois qu'on peut très bien, c'est pas inenvisageable que l'on vive. En Occident, c'est l'Occident, l'Europe de l'Ouest plus l'Amérique du Nord, c'est pas improbable qu'on vive la même souffrance que les pays de l'Est, qu'on vive la même horreur, c'est pas improbable. En tout cas, voilà, cette réussite du mondialisme est l'objet de ton livre de fiction que j'encourage les gens à découvrir. Je mettrai un lien d'achat vers ce livre et je te remercie d'être venu, d'avoir répondu à mes questions. C'est super sympa de m'avoir invité. Puis c'est vraiment, j'ai bien aimé ton état d'esprit et tes questions. D'accord. Merci vraiment. Bah écoute, au plaisir de te revoir sur ce plateau pour parler de tes livres ou de littérature en général. On verra, on trouvera des De auteurs. politique. Ouais, ou politique aussi, avec plaisir. Allez. À bientôt les enfants et vive l'Europe.